Salut Lou. Bonsoir tout le monde. Deux écoles, deux ambiances. Salut Dami. Salut Lou. Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va jouer à Pokémon Unite. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'inviter. Si ah, c'est gentil, c'est gentil. Si j'y arrive. Ah, ça y est, je veux plus t'inviter. Bravo, bravo, très bien. Aujourd'hui, on va réaliser mon rêve. On va se battre sur Oroma Park en direct. C'est beau. C'est ton niveau préféré. Après tout. Allez, c'est parti. Bref, voilà, mission. Mais oui, c'est mon niveau mission, préféré. Mission du jour, de la semaine, tout ce que vous voulez. Visiblement, ça devient hebdomadaire de faire des streams de Pokémon Unite. T'aimes pas? Si, ça va. Bah alors c'est très bien. C'est un moment privilégié avec le chat où on discute entre deux parties. Oups là. Non, on n'a pas besoin de dire je vais en bas, je vais en haut. Du coup c'est la première fois qu'on fait Oroma Park hein, en... J'ai perdu mon Pokémon. Ah ouais. Oula. Au revoir bon, bah, après le mois. Non mais toi t'as que des bugs, c'est hallucinant hein. C'est hallucinant, moi j'en ai pas eu encore un seul. Toi, tu ne fais que ça. Bon, je disais, c'est la première fois qu'on fait Oroma Park en stream. Oui. Ouais, cool. Vous allez nous voir soit nous faire martyriser, soit martyriser les autres. Parce qu'Oroma Park... Quand est-ce qu'on se fait martyriser par les autres à Oroma Park? C'est déjà arrivé que les gars, ils étaient trois ensemble et que notre collègue veut pas venir nous aider et du coup, bah, on perd. Mmh. Mais bon... C'est rare. Mais généralement, ça se fait plus du style « Oh non, ils sont là, je m'en vais oui. !» C'est les ennemis qui disent ça. Ah oui, carrément. Au début, ça commence gentiment, c'est des bonnes guerres, et puis finalement, à la fin, les ennemis veulent plus nous voir. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai un allié qui a décidé d'attaquer les mêmes monstres que moi. Bah écoute... Toujours un plaisir, ça, n'est-ce pas? Ça t'en fera plus pour toi? Ouais, évidemment. Enfin bon, je sais pas. Peut-être qu'il veut devenir MVP, hein? Ouais, c'est vrai, hein. Je crois que j'ai vu mes missions. C'est pas des trucs méchants. Oh, il y a plein de... Vas-y, je vais l'aider. Il y a plein de... Ah, bravo. Voilà, prends le machin. Bonjour, Lucario. Je pourrais m'en faire un, hein. Ouais, non, c'est mort. Bon, je vais marquer mes points. Il y a un Lucario qui traîne, là. Ouais, j'arrive, je vais... Normalement, j'évolue et... Ah bah ok, il s'est enfui. Mouah. Quel gros lâche, Lucario. Ouais, mais je peux rien faire, vous êtes trois. Oui, c'est vrai. Hein, je... Bon, en vrai, là, le lapin, il est occupé. À mon avis, il a dû avoir les machins, lui, là, l'ennemi. Ah bah non, il est toujours là. Bah, en fait, je vais mourir. Waouh. Merci pour ton aide. Mais il y avait Abra! Oh, il y avait Abra! C'était plus important que de sauver ton allié! Ah ouais, mais maintenant, moi, je suis niveau 8. Ok, il en a rien eu à faire de mon attaque, lui. Bah, en tout cas, si je devais parler de moi et Pokémon Unite... Ah mince, t'es attaqué. J'ai changé de façon de jouer. Donc comme vous pouvez le constater, je n'ai plus mon petit menu radial pour m'aider à viser. Ah ouais, j'avoue. Parce que, en fait, voilà, j'ai eu le... Comment, moi j'ai pas mal de points. Bah on va aller là-bas, il y a l'air d'avoir personne. En plus il y a une petite baie, ça fait plaisir. On struggle à keep up. Ok. Ça va Non, je suis pris dans le tapis roulant. Et puis il y a Pikachu qui te fonce dessus, attention. Il avait pas envie de se... Ah mais ouais, c'est vrai qu'il y a lui là, ça serait pas mal de l'affronter. Oui, donc du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai... Waouh, après plus d'un mois de jeu, découvert que je pouvais viser. Et oui, c'est fou, mais on peut viser. Waouh, deux à bras. Est-ce que ça veut... Ouais, vas-y, il a pas un tout. Bon, oh, c'est ouvert. Oh non. Ouais, visiblement. Oui, il a fui. Il est parti. Ok, bon, bah, il avait pas envie, tu vois, genre. Bon, bref, je disais, j'ai découvert que je pouvais viser, et alors, ça va paraître idiot, mais en fait, je considérais que c'était pas nécessaire pour moi de viser, vu que j'attaquais en mêlée.
Mais en fait, il se trouve que si. Parce que, en fait, j'avais un gros problème avec l'attaque poursuite, c'est que moi, je l'utilisais très mal, en fait. Je savais pas comment elle s'utilisait. Mais c'est encore un truc, lui, en fait. Oui. Je savais pas comment elle s'utilisait, l'attaque poursuite. Déjà, en fait, il faut appuyer sur R, et ensuite, il faut appuyer sur A pour déclencher l'attaque. Moi, je croyais que ça se faisait tout seul. Hein. Alors, honnêtement, je faisais pas attention. J'appuyais tellement tout le temps sur A que je réalisais pas qu'en fait, il fallait appuyer sur A après. Ce qui fait qu'à chaque fois, je... Ah, carré en haut. J'arrêtais pas de me plaindre que je pouvais pas fuir, que ça attaquait tout seul, alors que c'était totalement de ma faute. Hein, non, il t'a tué, le méchant. Eh oui. Bon, et du coup, j'ai réalisé qu'en appuyant longtemps, je pouvais décider de la direction de mon attaque poursuite. Et donc, du coup, en fait, automatiquement, le jeu, il me téléportait derrière un ennemi, en fait. Mais si je vise là, je peux carrément viser où est-ce que je veux que ma poursuite, elle aille. Ce qui fait que du coup, en fait, ça allait pas de pair avec mon menu radial, vu que tout se fait sur le stick droit. Et donc du coup, bah, je pouvais pas bien fuir, et en même temps, ça visait un ennemi, enfin, c'était le bazar. Du coup, si je veux viser avec poursuite, je peux pas utiliser le menu radial, quoi. Ouais, j'imagine que c'est peut-être un peu moins effectif. Mais qu'est-ce qu'il y a comme abras ? Ouais, j'avoue. J'en ai eu aucun. Je vais prendre les points, hein. On va pas cracher sur des points. Bon, bah en tout cas, Lapin, là, il va être MVP de chez MVP. Hein. Ah bah, moi, de toute façon, je l'aidais pour. Hein. J'ai pas besoin de le faire cette semaine. Aujourd'hui, pardon. Ouais, enfin bon, moi, il me reste encore. J'ai pas fini, du coup, ceux de ma semaine. Ce serait bien que je fasse des oh, trucs. Oh non, tu veux quelqu'un peut m'ouvrir? Non. J'ai pas de points. Oh, vas-y, essaye de marquer. Hein. Oui, c'est bon. Bravo, bravo. Très bien, très bien. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Oui, bonsoir. N'oubliez pas qui... qu'il y a un petit délai d'une minute, on vous lit dès que possible. Mais promis, ouais. Quoi, oh, je suis MVP ? MVP ! T'as dû faire plus de dégâts que lui. c'est moche pour lui, là, parce qu'il bien était... joué. Il a marqué plein de points. Il était à fond, lui. Mais oui. Non, mais là, c'est... Non, mais tu sais, ma spécialité, hein, c'est de voler des MVP. C'est inadmissible. Ouais, là, je suis méchant. Oh, le pauvre. Ouais, j'avoue, là. Je l'aidais et tout. Eh ben, oui, mais personne n'arrête les pieds de garde de voir. Très bien. Bon, c'est très bien. On part en rank et... essayer de sortir de ce classe 4 expert. Honnêtement, ce qu'on vous a pas dit, c'est que nos dernières parties de classé sont une catastrophe. On a perdu tous nos Donc points. Si aujourd'hui c'est exactement comme toutes nos parties classées de la semaine précédente, ça va être un stream extrêmement drôle à regarder. Non mais on a trouvé tous les cas possibles et imaginables de Pokémon Unite. Il y a ceux qui viennent pas, qui jouent pas, il y a ceux qui vont se balader au lieu de se battre. Il y a le pyrobut qui va attaquer le Zapdos tout seul et qui après il perd face à l'armée de méchants qui arrive sur lui. Oh le pire. Moi en plus j'étais désemparée parce que je vois le pyrobut attaquer le Zapdos et je me dis mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? C'était incroyable. C'était incroyable. Ensuite voilà. Non. Y a pas une partie où on a tous dit au début on était 5 dans la jungle? Si si. Je disais pas que j'allais dans la jungle, mais comme toi t'as dit que t'allais dans la jungle. Non, je l'ai pas dit. Au début, il y avait un garde-voir, je crois. Il a dit je vais dans la jungle, je me suis dit bon, ok. Et puis après, il y a un Amphinobi qui est venu, il a dit moi aussi je vais dans la jungle. Et après, il y a un gars, il avait dit qu'il prenait l'euphorie et il l'a changé pour Zeraora et il a dit je vais dans la jungle. Du coup, moi pour rigoler, j'ai dit bah je vais dans la jungle. Et toi à la fin, t'as changé et t'as dit je vais dans la jungle. J'ai même pris un screen. Pour étayer mes propos. Bah alors qu'est-ce que t'attends pour les montrer là Je comprends pas. Bref, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à poser vos petites questions si jamais vous avez des trucs à demander. Regarde, genre, c'est le Tortank, incroyable. Est-ce que vous aimez Ouais, il est incroyable. Est-ce que vous aimez les gaufres? On vous répondra oui, bien sûr. quel est votre truc préféré, votre garniture préférée sur les gaufres? On vous répondra caramel. Quoi? Ah, le caramel. Sur les gaufres? Bah oui. Mais après. Qui filet de caramel, c'est bon. Moi j'aime pas trop le caramel. Bah je sais que toi t'aimes pas le caramel. Du coup, bah c'est pour ça. You're no fun! Du coup, bah. Quoi? Et puis on n'oublie pas le fun d'argent aussi. Il est revenu! Toujours! Il est revenu, lui. Ils sont. Mais attends, j'étais pas censé faire équipe avec Blastoise, moi? Allez hop, ça commence déjà du coup.
Ça commence déjà, du coup. Ah ouais, et puis à un moment aussi, là, ils sont tous partis en bas, c'était genre... Mais non, je voulais là, moi. C'était incompréhensible. Non, mais voilà, il y a des parties, je sais bon, pas. On va abandonner, parce que mon Slowpoke, il a pas envie de venir. Je vais faire... Je sais pas ce qu'il fait, en fait, Slowpoke. Tu fais quoi, Slowpoke? Je comprends pas, là. Ben, il est exp, bien sûr. Mais non, même pas. Même pas. Non, c'est toi, t'es... Ah, il va attaquer. Il part à l'attaque. Oh ben, il faut pas attaquer maintenant. Ouais. Voilà. Tu sais, les Pokémon défensifs, normalement, ça attaque. Ah mince, ils sont déjà si grands. Ok, il n'y a pas de... Attention, il y a un Salamèche. Ouais, je sais. Il y a un gros doudou qui se cache et qui attaque notre pauvre... Je vais pas l'aider, hein, on n'est pas... Oh, ça, par contre... Allez, hop, ça s'est volé, c'est bien. Je sais pas où t'es, toi. Ah, où bah, t'es... j'ai... Allez. Non, il me l'a pris, il me l'a volé, trop méchant. J'allais faire un super coup, mais j'ai raté, du coup, je suis déçu. Ouais, j'imagine. C'est pourtant, c'était si bien. Enfin, tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Ah, ils jouent tous avec score goal, machin, là. Ils ont raison. Bon, tu vas XP, Slowpoke, là, parce que tu as bien besoin. Mais oui, mais il est parti, ok. Bon, je vais aller tuer le Ludicolo ou je ne sais quoi, là. Peut-être un bison. Là. Non. Monsieur Bison. Ah, c'est ça, je vais tuer Monsieur Bison, très bien. Non. Si, j'ai besoin. C'est juste pour passer niveau 6, et après, je reviens, promis. Il n'y a point de soucis. Wow, purée, ça dégoûte ça, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien, justement, rien. C'est bien ça, le problème. Voilà. Oh, ils arrivent à l'attaque! C'est vrai? Bah, non, ils repartent. Oh, qu'est-ce que vous faites, un garde-voir qui peut encore une garde-voir? Oh, tu... Moi, c'est vrai que toi, tu peux te permettre mais de faire oui, ce genre bah de oui, choses. Mais oui, nous, on peut. Moi, je peux pas. Attendez, je mange une petite béja. Attends, mais il a toujours pas... Il est toujours pas parti XP, notre Slowbro. Pourquoi il a pas envie d'XP? Mais non, mais c'est comment dire. On veut montrer ce qui se passe dans nos parties. Ouais, bon, bon. Oh non, je vais mourir. Ah non. Oh, c'est moche, ça. Oh oui. Oh non, c'est beau, ça. Ah non, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Comment on spoil un MOBA? Bah par exemple, imaginez, il y a eu du data mining et vous voulez en parler, et bah hop, ça fait du spoil. Alors que... Donc pas de spoil. Non, s'ils descendent les méchants pas beaux... Bah ils ont raison. Ah, enfin je fais des kills. Enfin, un seul. C'est pas très utile. C'est dommage, je sais pas... non, bah non, pas ça. Bon, je vais tenter... Même si... Bon, j'espère qu'ils comprennent que je dis d'aller en bas, hein, en disant d'aller là-haut. Ah, si, puis il veut pas venir m'aider, évidemment. J'arrive. Ah, mais non, il préfère attaquer un tabunet, il est sérieux. Et voilà. Non, mais c'est ça, c'est typique, hein, ça c'est typique. Je comprends pas pourquoi les gens ils veulent pas aider, en fait. Moi, je peux rien faire. Hein. Ouais, non, on a perdu, parce que Flagados, il se promène. Eh bien, comme son nom l'indique, Moobot est un ordinateur, effectivement. Enfin, c'est pas un ordinateur, c'est un robot. Mais parce que la question se demande si c'est une vraie personne ou un ordinateur, c'est pour ça. Regardez, on est en train de se faire massacrer. Oh ouais. Oh non. Bref, voilà, aujourd'hui, visiblement, ça ne change pas d'habitude. J'espère que ça te fait plaisir. Bah, c'est bizarre, quand même. Hein. Je dois t'avouer que... c'est bizarre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi... Désolé, j'ai battu. Ah, oh, mais tu vas évoluer, toi, c'est trop bien. Ouais, faudrait que je batte un dernier truc. Ou pas. Mais si, c'est, si bon. C'est bon. Je sais pas si je les aide là-haut, parce que ça a l'air d'être aussi horrible là-haut que... Ok, je venais pour faire des rigoler. Non bon. Ok, lui, il est mort. Surtout qu'en vrai, ça va, ils sont pas si forts que ça, les ennemis.
qu'il y a possibilité qu'on arrive à s'en sortir, quand même. Ah, l'euphorie, qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps? Mince. Bon. Eh mais aussi, notre carapuce, c'est toujours un carapuce. Non mais elle est très bizarre, elle est très bizarre cette partie. Pardon. Et voilà, je me suis fait annuler mon attaque. Je sais même pas quoi faire parce que... C'est moche, ils arrivent en plein en bas, ouais. Voilà, ils sont tous en bas, eux ils sont super bien organisés et nous bah... Nous on fait de la promenade hein. Ah sinon ils vont plutôt s'attaquer à Dreadnought du coup, les méchants. Bah ils ont raison hein. Ouais, bon, enfin. Moi j'ai Expire en attendant. Ouais, bah ouais, non, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et après, bon, bah. Ça va être le moment d'essayer de. Mince, s'ils sont tous là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai même pas mon ulti. Bah oui, j'ai pas le temps de fuir du coup. Moi ça me fait plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bon. Il se passe des trucs incroyables là-haut. Moi je veux me battre contre l'ectoplasma. Ouais, je vais venir en haut. Hein. J'imagine qu'on va. On va faire la fameuse stratégie de groupe. Ouais, bah là. Hein. Hein, parce que ce sont, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire maintenant, hein, vu qu'ils sont beaucoup trop forts. Mince, le ronflex a évolué en dracofeu. Ah bon, bah. Quel dommage! Allez hop, la technique préférée du Dracofeu, le spam du spécial. Bonsoir à ceux qui arrivent. Oh mais l'euphorie, pourquoi tu restes ici? Il bouge pas. T'inquiète, après il y aura le fameux moment où, t'auras l'euphorie qui voudra plutôt attaquer les abeilles, c'est plus sympa aussi. Bon, on va essayer de... Non, la stratégie du groupe ça les intéresse pas, il semblerait. Mince, il y a toujours le ronflex. Oh non, dommage, l'Amphinobi il avait plus de vie en fait. Ouais, mais là ça va être compliqué, ils sont beaucoup trop chaotiques nos alliés. Bah ils sont partis en bas, je comprends pas trop. Quick. Bon là. Là. Mais non, mais ça c'est toute notre vie là en ce moment, je comprends pas. Comment ça se fait? Moi non plus. Je sais pas quoi dire. Je sais que c'est pas bien de dire que c'est la faute des alliés, mais c'est pas que je dis que c'est de la faute des alliés, c'est que je comprends pas la stratégie de mes alliés. Bon. Et du coup, bah moi-même je suis perdue. Mais voilà, il utilise son spécial alors qu'il est tout seul. C'est vraiment utile, Flagados? Je sais pas. Là, honnêtement, moi... Non, vraiment, je... Donc, je sais pas si j'attaque ce motisme-là. Faudrait qu'on essaye de tuer Zapdos ensemble, les Pourquoi amis. Pourquoi t'attaques Tabuné? Bon, voilà, ça fait ça en moins. Je peux même pas aller attaquer, là, parce que... Ils me voient tous. Bon... Mais je me fais dégommer. Demain, ça buffe l'euphorie qui pour une méta chargée de personnages invincibles. Allez, voleur. Non, ah, dommage. Dommage. Bon. Et ça va abandonner direct. Bah ouais, attends, c'est bon. Elle en a perdu, c'est bon. Hein. Et on n'a rien fait, mais c'est pas grave. Je suis même pas sûr d'avoir marqué une seule fois. Non mais là ça c'est typiquement le genre de partie, ça c'est des parties je les comprends pas, ça c'est vraiment, ça que je comprends pas. Si vous voulez pas jouer, jouez pas, c'est pas grave si vous voulez pas jouer, mais bon. Salut, si vous me laissez tranquille, je vous laisse. Regardez, moi je vais faire mes petits points en mode j'en ai rien à faire de ma team et tout, voilà. Ah voilà, mais ça c'est typiquement le... c'est bon, on est perdu, on fait ça maintenant. Qu'est-ce que vous faites à ma garde voix? Ah bah il y a un Gengar qui a visiblement utilisé son spécial parce que... Oh là là, c'est dommage parce que tu vois, je pense que les ennemis ils étaient pas si forts en plus. Ça me semblait plutôt bien mais j'ai pas compris... Si nos alliés avaient voulu jouer, là on aurait pu gagner. Je n'ai pas compris la stratégie de mes coéquipiers.
Ah oui, alors d'accord, c'était une stratégie de passivité, j'imagine. la stratégie passive. Mais de toute façon, je n'ai pas eu hein, le courrier et le flamant, si tu faisais que rester au courant. Nous, on se bat pas, ok. Les objectifs, rien, c'est interdit. Ah, j'ai perdu le chat du coup. Bon, je pense que je vais passer. Je pense qu'on va drop. Hein. Ouais, non, mais. Regardez non ça. Mais non mais non mais le monde a dit que on n'avait pas le droit de monter de rang. Il a dit ça suffit. Je pensais que ah tu... toi t'étais sauvé. T'as été sauvé. Ah cool. Non mais le monde a dit non mais vous n'avez plus le droit de monter. Il a vraiment utilisé son spécial. J'ai vu que les bikinisés. J'avoue je connais pas Flagados. Hein, je n'ai aucune idée. Bah le truc c'est que Flagados il a une attaque qui ressemble énormément. Pardon. T'as dit quoi? Ah si t'as droit. Mais j'ai perdu 2 rangs en fait. Bah non, t'étais déjà à 0 cristaux. Ouais mais là je suis à 2 et pas à 3. Écoute c'est pas grave. Donc tu disais Flagado c'est une attaque qui ressemble énormément à son spécial en fait. Oui oui du coup, oui. C'est compliqué du coup, de voir. C'est dur. Salut. Je vais dans la jungle. Enfin, l'oiseau salut, est là. Salut, je vais en bas. Oh, il y a quelqu'un, il s'appelle Goudra, c'est trop bien. Eh, j'avoue, Goudra, ça serait bien hein, dans Pokémon. Mm. Dans Pokémon Unite, bien sûr, je veux dire. Bon, allez, c'est pas grave. C'est le moment où on va faire. Allez, peut-être que ça va mieux se passer maintenant. Clin d'œil, clin d'œil. Attention, attention. On a un Crabarak dans notre équipe et nous on n'a pas une bonne estime des Crabarak. Ouais. Désolé joueur de Crabarak, ouais, mais non. À chaque fois non, qu'on vous croise joueur de Crabarak, là... vous faites que fuir. Non mais c'est vrai que les crabes, pourquoi vous fuyez? Les crabes j'ai du mal là, parce qu'à chaque fois qu'on a des ailiers crabes, on m'abandonne un monde triste sort. On se dit que vous êtes des défendeurs, alors pourquoi vous fuyez? Non. Ah, un ennemi, je puis pas. Bon mais peut-être pas, allez. Un camp flamiéou dans le jeu. Ah mais j'en parlais avec Dami que ça aurait été bien que. Bah mais les starters de cette génération ils sont cool, je pense ils ont tous leur chance d'être dans le jeu. Salut Vati. C'est pas comme Typhlosion, Meganium et Crocodile, qui se souvient d'eux? Oh les pauvres. Ah mais non mais eux. Les pauvres. Bon tu dis bah, ça je dis pas mais ça, la 4G elle est pas mal. Ouais la 4G aussi je pense qu'elle est. Bah il y a Typhlouf quand même. Ouais, si mais après le truc c'est que c'est Typhlouf, tu vois, que les gens aiment pas Empoléon. Oh regarde, ils ont des petits boucliers, donc peut-être ça va. Peut-être non, ça allez va. Hop, là maintenant c'est la partie avec la FK. Alors aujourd'hui je fais équipe avec un crabe, évidemment. Bon allez, je suis désolé, ne soyons pas méchants avec Antonino. Moi je pense qu'Antonino il est bon. Mais moi je pense qu'Antonino il est gentil, il va se battre. Ah, alors Antonino il veut bien aller. Non. Ah si, peut-être. Non, je pensais qu'il allait vouloir disputer le truc. Oui, s'il veut. Allez. Oh non! Oui, c'est bon, je l'ai eu. Alors Antonino, tu. Non, Antonino, on devrait aller continuer de farmer notre XP tranquillement. Antonino, c'est trop mignon comme nom. Mais oui! Ça va bien, petit crap. Alors le grand, peut-être pas, mais. Ok, très bien, mon crabe a évolué. Et oh, il a fui, il m'a vu, il a fui. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous les attaquez? Non, moi je les taquine, c'est tout. Moi je... Bon, je me cache, mais tout le monde sait que je suis là maintenant, donc... Ah, je suis bien caché quand même. Bon, ah, mais vous y arrivez en plus. Ah non, il est mort, Dan. Ah mince. Antonino... Bah j'aidais pas parce que j'y croyais pas que vous les attaquiez pour de vrai, tu me bah, dis moi non plus, mais moi non plus, mais finalement il a attaqué. Ouais. Est-ce que je peux battre le petit Gible qui se cache dans l'herbe? Oh, il y a Fenard, il arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va probablement attaquer le monstre. Non, c'est moi qui veux tuer, évidemment, parce que... Oh non, je vais mourir! Allez, je veux l'XP! Mais quoi, j'ai raté ma poursuite, pourquoi? Vas-y, tue le Fenard! Pas le droit, interdit. Bon. Ok, ils sont back les noms, mais oui. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu veux que je te laisse un crabe? Bon. Trop tard. Non, mais c'est pas grave, je vais monter. Hein. Du coup. Ah. Ah oui, tu peux l'avoir!
Yes, bien joué, ça m'a même fait évoluer, donc comme ça, je... Oh yes, j'ai pu marquer, ça fait plaisir. Yes, comme tu dis. Et paf, on les a cassés. Très bien. Oh. Ah, c'est un bon démarrage, ça. C'est un bon démarrage, ça fait plaisir. Je vais faire un petit tour, là. Je veux pas utiliser des baies. Vu que de toute façon, on a le temps. Ah, effectivement, ils ont besoin de backup en haut, ouais, mais bon, mais il y a Dreadnought qui a va apparaître. Qui arrive. Bon, je suis pas à niveau 8, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas où ils sont, les ennemis. Ils arrivent. Ah ouais. Bon, il a quand même réussi à évoluer, lui. Meurs pas! Ouais, bon, là par contre. Bah, il y a des baies, il y a des baies. Ah mince, non! Non, 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 pas lui là! Non, il va manger mes baies! C'est une honte! Gros nul! Bon, par contre, notre crabe il est parti! Bah ouais! Mais pourquoi? Bah parce qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide! Bon, bah je vais. J'arrive. Là, je vais pas vous tenter de. Je vais essayer de leur dire. Venez en bas, SVP! On était bien partis! Ou alors il s'est dit justement, on est tellement bien partis qu'on va aller se débrouiller en bas, je ne sais pas. Ah mince, ah ouais, non, ils sont pleins là! Allez, tu peux peut-être en faire deux au moins. Ouais, ouais. Ok. Il en reste un. Le fenard a fui, mais le il fenard avait a fui. Mais c'est... Oh, non, c'est dommage qu'on soit fait abandonner là. C'est dommage qu'on soit fait abandonner comme ça. Ouais. Comment je fais, je peux coincer ici. Ah, ils l'ont eu là. Bye. Oh, j'aime pas. Ah, les alliés. Enfin, surtout crabe, quoi. Bon, au moins ils sont pas. Ils ont pas. Ou alors il a pas fait son spécial, je ne sais pas. Bon. Bon, on a tué lui. Il a déjà repop, lui. Mais non, mais j'ai appuyé et ça a lancé et ça l'a. Il a déjà repop. En tant que Krabarak, j'aime pas me battre près des zones, il fait mal, mais aucun DPS s'est perdu d'avance. Oui, mais quand t'as un allié qui se bat, tu l'abandonnes pas quand même. Ah, je peux passer niveau 10, très bien. Ah, c'est bon, regarde, Krab, il revient. Maintenant qu'il y a plus machin, il s'est dit, c'est bon, c'est le moment. C'est le moment de se battre, là, c'est bon. Ouais, mince, on a perdu notre base. Oh, Fenor, il me fait... Voilà, il m'a mais eu quand non. même. Ah mince, j'allais dire, mais non, t'inquiète, tu fais pas peur, moi je suis là. Mais si, mais moi j'aime pas les Pokémon qui attaquent de loin. C'est vrai, tu m'aimes pas, je suis désolé. Non, les Gardevoir, j'en ai pas peur parce que. Comment ça? Je fais pas peur, moi. Oh purée, vous avez repop en même temps. Désolé, je suis parti farmer. Non, mais t'inquiète, je suis juste parti marquer pour recharger un peu mon spécial, toi. Mais y a pas de soucis. C'est moi ou notre Flambino, il passe sa vie dans la jungle aussi, là. Bon. J'aurais bien voulu les aider là-haut, mais je voulais au moins être sûr d'avoir ah un ouais, Dreadnought. Ah ouais, purée, ils sont pleins, là. Je me fais tuer. Dommage. Pourquoi j'attaque le Tortank alors qu'il fait la toupie? Est-ce qu'il m'a abandonné? Bon, le Dreadnought, il est battu, j'imagine. Non, non. Ouais, mais il va être battu, parce que... Mais il est tout seul. Non, il y en avait un troisième. Ah, okay. Il y en avait un troisième. Je sais pas si... Ouais, il est en train d'être attaqué. Il y a peut-être une moyen que j'y arrive avant. Bah, surtout peut-être. Que moi, tout le monde me voit. Ou alors, je vais marquer pendant qu'ils font leur Dreadnought, je ne sais pas. Ouais, ils en ont rien à faire de moi. Donc, je vais essayer. Ok, ils en ont rien à faire de moi non plus. Mais bon, le problème, c'est que j'en ai attiré un troisième. Tu l'as eu. C'est vrai, je l'ai eu. Oui. Mais non. Ah, oh, ce vol. Ah, oh, c'était beau. Je crois que j'en ai eu un en plus dans le tas, je crois, de méchants pas beaux. Je suis back. Bank, c'est beau. Par contre, nos alliés viennent jamais, c'est hallucinant. Hein. Il semblerait. Mais du coup, je vais rester en bas, en fait.
Ouais, là, c'est le genre de partie que je sais pas quoi faire, quoi. En bon, entre guillemets, parce que. Du coup, je reste en bas parce que bon, bah voilà, c'est l'objectif. Je me dis que j'ai envie. D'habitude, moi, ce que je fais, c'est que j'attaque le Draenor et après je remonte et après bah, c'est je normal, descends c'est... et après je me remonte. Et... C'est normal, c'est ça. Ah, ils disent de monter, finalement. C'est normal, c'est censé être ton rôle, tu vois. Parce que bah, t'es censé être le jungler, donc normalement, t'es censé. Ouais. Mais là, je trouve que c'est dangereux. Non. Tiens, tu joues Sucker Punch, l'eau, j'ai jamais compris comment fonctionnait vraiment l'attaque. Alors, le Sucker Punch, c'est allez, une attaque. Tu peux l'avoir, lui qui... Yes. Ah oui. C'est une attaque qui lie. En gros, tu vises ton ennemi et ça va lui l'enchaîner à toi. Et donc, vous allez tous les deux ralentir. Ce qui fait que bah, si t'es avec des amis, c'est trop bien parce que du coup, vu qu'il va être ralenti. Bon, on a un huge lead. On va essayer de pas. Krabarak attaque pas le Zapdos, hein. On n'a pas besoin. Ah, eux ils y sont, les méchants, okay, ils y bon. Sont, les méchants ils y sont. Moi je voulais charger mon spécial. Oh, on l'a volé. Mais non. Bon bah let's go. C'est moi qui l'ai volé en plus. Oh mais quel talent. Bon allez. Je m'impressionne. Ah bah c'est clair. Donc je disais ce bon, je rigole, hein, je dis n'importe quand, quoi. Quand ça s'allie l'ennemi à toi. Et en plus, ça te téléporte automatiquement à lui. Oh non, laissez-moi marquer des derniers petits points. Laissez-moi marquer les derniers petits points, j'en ai besoin, vous comprenez, je veux être MVP. Mais non, mais pas. Parce que voilà. Et donc du coup, bah, j'avoue que, en fait, comme moi, je fais bah, surtout des attaques de mêlée. Après, j'aime bien le fait que ça me jette sur l'ennemi plutôt que Pico Cut. Mais en fait, là, en ce moment, j'essaye de varier. Genre si je vois qu'il y a des gros doudous, je préfère prendre Psycho Cut parce que j'en ai marre d'approcher les gros doudous. Ah oui, bah c'est tu vrai. L'as pas fait tout à l'heure. Oui je sais. J'y pense pas encore trop. Ah oui on a perdu 2 rangs. Oui c'est bon ça. Ah ouais, la punition était sévère. La punition était sévère, genre... Jouez pas s'il vous plaît. Un autre défaut de Crab Lasagne, c'est qu'il ne fait rien en jungle. Mieux que protéger l'objectif, il y excelle moins qu'Autor Tank. Non, c'est moi qui... Ah non, c'est pas moi. Pardon. Bon, ça va, on a quand même le droit à une victoire. Yes. Ça fait plaisir. Mais il en faut plus que ça. Écoute. Ça fait quand même plaisir. Mais l'autre attaque ralentit aussi. Psycho Cut. Bah, j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. On va voir ça. Alors. Psycho Cut. Ça lance des attaques psychiques qui baissent le mouvement speed. Oui, c'est vrai, du coup. Mais faut viser. C'est pour ça, à mon avis, que. Mais faut viser, non, mais. Pokémon. Nanana. Ça augmente les basic attack damage. Mais je crois qu'aussi, j'avais beaucoup aimé le buff que Sucker Punch avait eu dans une mise à jour. Il faisait vraiment très très mal. Enfin, vraiment, moi, le ce qui me plaît dans Sucker Punch, c'est que ça me téléporte à l'ennemi, en fait. Comme ça, après, je peux bien le bourriner avec A. Mais les deux se valent, je trouve, Psycho Cut et Sucker Punch. Ah, regarde, c'est un Ronflex B. Ah, il y a un Fenard. Ah, oh, c'est Madame Mime. Qui joue pas Madame Mime, je suis déçu. Voyons en quoi ressemble Madame Mime, là. Ok. D'accord, je vais pas envie. Alors. Oh. Ah, c'est Madame Mime. Qui ne joue pas Madame Mime. Inadmissible. Elle a peut-être pas encore pu acheter la licence. Alors regardons un peu nos futurs ennemis. Oh, elle est déterminée. Alice, elle est déterminée. Alice, on rigolera pas avec Alice. Moi je mise sur Alice MVP. Vous inquiétez pas, si vous mettez un Krabarak entre mes mains. Je vous assure que je le jouerai pas défenseur. Oh non! Mais non! Mais non! Mais t'es Pikachu baleine! T'es censé bien jouer! Mais il me troll à la place. Mais t'es censé bien jouer, Pikachu baleine! Quoi là? Je suis un peu déçu. Mais vous oui, avoue. Mais non, mais le gars il a payé, il fait n'importe quoi. Je suis très déçu. Mais pourquoi je fais ça moi aussi?
je sais pas quoi penser. Moi j'aime pas quand j'ai des alliés comme ça. Je disais que j'étais gentille, je partageais ma jungle, mais j'aime pas quand j'ai des alliés qui, au début du match, ils préviennent pas. Ils disent « Ah bah t'as dit que t'allais à la jungle, bah c'est pas grave, moi j'y viens aussi et je vais voler tous tes Pokémon. » D'accord, mais moi je... Bah surtout que c'est important pour le jungler de... J'ai besoin de passer niveau 5 et après tu peux aller dans la jungle si tu veux, mais laisse-moi au moins le début. C'est important pour le jungler de... Parce que là, actuellement, je peux rien faire. Je suis une cible facile. Du coup, voilà. Je suis déçue. Bon, ils devraient repop, là, les ennemis. Voilà, c'est bon. On fait la jungle pour de vrai. Bah, du coup, voilà, ça me perd du temps. Il est déjà 8 minutes 30 et... Ouais, ouais, bah déjà, on a déjà perdu un premier assaut, tu vois. Bah ouais. Hein, s'il est pas venu. Wow, pourquoi tout le monde est au milieu là? Ah ouais? Non, je sais pas. J'ai cru que le Pikachu y était. Non, non, par contre, il y a Carapuce qui y est, mais bon. Ah non, il poursuit quelqu'un! Oui, il poursuit un Amphinobi. Ok. Ah, c'est les méchants, ils reviennent m'embêter. Ah, en plus, je vais évoluer bientôt. Bon, on va voir à qui veut fuir. Il est passé où, Pikachu? Il arrive. Allez, oh non, allez. Je vais perdre. Allez! Désolé, je vous abandonne. Allez! Ah, oh, dommage! Oh oui, tu l'as eu, bien joué, machin. Machin. Allez, on peut se le faire! Ouais, bien joué! Ouais. Ça, c'est bien le pouvoir de la baleine, ça. Oh! Est-ce que je vais réussir? Ah, oh, dommage, il manque 3 points. Mm. Par contre, c'est dommage parce que on était, il y avait comment il s'appelle, un machin qui était venu nous aider, mais il est reparti. Je vous ai abandonné pour casser leur goal. J'espère que c'était une stratégie intéressante. Et Dreadnought est apparu. Bon, c'est ok. Pikachu, viens, Pikachu. Non, il veut pas venir. Non, c'est pas grave, je vais le tenter tout seul. Il est mort, zut. J'arrive. Je les retiens. Ouf, ça va. Waouh, il m'a bloqué mon attaque. Allez, on peut se le faire, lui. Ok, c'est ok. 3 moins, on va tenter peut-être de marquer. Ça va être chaud, mais... Ils ont pas encore la téléportation, donc c'est peut-être chaud pour moi. Ok, c'est bon. Je vais... T'inquiète, moi je peux les ralentir. Attends, je troll. Hein. Ah oui, bah là, il en a rien eu à faire, hein. C'est moi qui l'intéresse, tu vois. Allez, salut. Voilà. Par contre, ils t'en veulent encore, hein. Ils t'en veulent encore. Mais c'est pas vrai, il va me suivre jusqu'au bout du monde. Il t'aime bien, je crois. Bon, par contre, mon Pikachu, il a encore disparu. Mais c'est incroyable, ça. Bon, ils m'ont suivi tous les deux ou quoi? Oui, oui, ils t'ont suivi. Mais pourquoi? Alors quand je disais que je jouerais Krabarak agressif, je pense pas que je ferais ça quand même. Parce que bon, pour suivre à deux le jungler à travers la jungle. Ah ben, si je pensais qu'il allait descendre. J'ai essayé d'anticiper le méchant. Bon, quoi que ça marque mince, là-haut. Ils sont trois là-haut. Ça marque là-haut. J'aurais peut-être démonté finalement. Remonter. Ils sont... Ah ouais, on n'a pas encore le téléporteur. Bah non, ça fait pas 5 minutes en fait. Ok, un de moins. Il s'est passé déjà tellement de choses. Mais oui. Je pensais que bon, finalement tu gères. Hein. Beau. Bon, Pikachu m'aide. C'est beau. Bon, le Ronflex, non, c'est le nôtre. T'as 7 points. Bon bah tu vas marquer parce qu'il faut que tu gagnes. Il y a un truc qui va repop. Ah mince, il y a Pikachu. Un Pikachu baleine. Attaque pas, Tortank, c'est pas grave. Bon. Oh, il y avait un Amphinobi. Oh, il y avait un Pikachu. Il y en a du monde dans cette jungle, c'est fou. Ils utilisent leur spéciaux.
Mais c'est pas... Bon, ça, c'est... Ça s'annonce bien pour toi en bas, hein. Ils vont venir tous faibles. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils utilisent leurs spéciaux, quoi. Unit move, on dit. Moi, je suis ancré dans Splatoon. Et j'aime bien dire qu'on est ancré dans Splatoon. Ah, t'es venu aider. C'est à nous, ça, c'est à nous. Oh, un Pikachu méchant. Ok, ça va, il nous... Aïe, 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 je vais mourir. Et ouais, je suis mort. Qui est là? Vina en Finobi, pas beau. C'est Madame Mime, pardon. Ah ouais. Oui. Voilà, quand même. Ah, il a fait son machin. Ouais, du coup, je l'ai perdu de vue. Bon, c'est pas grave, au moins on a eu le truc. Bon, je tente une dinguerie. Sauvage. Bon. Là, j'avoue que... Je sais pas pourquoi je me suis pas TP. Parti protégé là-haut, parce que je vois qu'il y a pas... en bas, pardon, parce que je vois qu'il y a pas mal d'ennemis. Mais visiblement, ça a changé pour en bas. Ah, il y a Amphinobi. Ah oui, s'il y a le Rotom, ce serait trop bien. Donc toi, je vais réussir sans. Ok, j'ai réussi sans. Oh là là. Oh, je me fais dégommer, la honte. Mon Fenard, il est aggro par le Motisma. En Pikak, mince Pikachu. Oh là là, en bas 50 points. En bas 50 points, c'est craint. Cela craint. Oh, tu dégommes, toi, tu dégommes, c'est bien. Ouais, je dégomme et je me fais dégommer. Bon, on flex a pas perdu. Il est parti? Non, il est mort, ça y est. Bon, j'ai besoin de backup en bas. Ok, j'arrive. Parce qu'il y a Amphinobi à 50 points. Peut-être qu'il va monter, c'est possible. Mais peut-être qu'il va se dire, je vais marquer aussi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il... Non, il ne va pas me dire qu'ils sont en train de... Non, ok. Moi, j'aimerais bien farmer. Ouais, okay. Ah, ils sont tous là-haut. Bon, finalement, je sais absolument pas où ils sont. Je vais remonter parce que j'aime pas trop, là. Ah, c'est toi qui as tout pris. Mince, désolé. Ouais. Ouais. Bon, t'as tué le Amphinobi, c'est cool. Bon, c'est risqué que je monte aussi. Okay, ils sont mais tous en fait, il n'y avait pas besoin. Très bien. Très bien, très bien. Bon, je fais n'importe quoi. Hein. Cette partie, je fais le Dracaufeu balade, là. C'est moi, là. Dracaufeu balade. Je tente des folies. Peut-être que si je fais ça, ça va les désattirer du... Oh, tu l'as presque eu, en plus. Je l'ai eu. Ils sont tous là-haut. Ouais. Vois ça. J'en ai eu deux sur les quatre. Ah, il y en a un en bas. Ok, ils sont deux en haut. C'est Pika. Ouais, ouais. Pika contre Ronflex, peut-être que... Ah, en fait... il est au milieu. Oh, zut. Je vais vous regarder. J'espère que vous allez gagner. Oh mince, c'est eux qui sont là. Oh non, ils vous dégomment. Oh oh. Ah mince. Ça va pas du tout là. Bon, je suis mort. Peut-être que tu pourras le sauver. Non, ok, très bien. Enfin, très bien, non pas du tout. Mais peut-être que vous pouvez dégommer un petit peu, ça ferait plaisir. Oh, ils sont bêtes. Bon, très bien, lui, ça nous donne de la chance. Il y a l'euphorie qui est pas bête, lui par contre, malheureusement. Pikachu qui veut marquer en haut. Et qui du coup y a réussi. Ah, il y a l'euphorie. Ah, il y a... Ok. Non, je vais... Attaque pas l'euphorie, on s'en fiche de l'euphorie. Il y a un méchant pavot de truc, il est niveau 15, évidemment. Parce que les Amphinobi, ils sont tout le temps niveau 15. Oh là là. Attaquer le tabouni. Oh non, il va marquer et que quelqu'un l'arrête. Mais non, je croyais que quelqu'un me suivait, mais en fait non. Non, tout le monde est parti en haut. Je sais pas pourquoi tout le monde est là-haut, en fait. Mais il faut défendre, il faut pas. Bon, je suis mitigé là. Bon, après, bon, hein, je vous dis, après, c'est le fameux Amphinobi qui a toujours 1 milliard, qui a toujours 15 niveaux. Je sais pas pourquoi. Ils sont toujours niveau 15, c'est Amphinobi. Oh non, ça dégoûte. Eh ouais. Bon. Je pensais que quelqu'un me suivait. Et mais non, ils sont tous partis en haut. Franchement, le Amphinobi, quelqu'un m'aurait suivi, on aurait pas perdu. Ah, bon. Tant pis, j'imagine. Pas le droit de gagner, aujourd'hui. Pas grave.
bien joué quand même, parce que le match en lui-même, il était bien, sauf la fin. Bah, je sais pas pourquoi tout le monde est parti là-haut, en fait. Mais oui, je sais pas. Faut défendre, les gars. C'est triste. Eh oui. Pokémon Unite est un free-to-play. Oui, c'est un free-to-play. On peut jouer de manière gratuite ou tu peux payer pour avoir plus d'objets. Genre comme le Pikachu qui va dans la jungle au début de partie. Que tu lui as donné un GG, n'est-ce pas? Bah ouais. Alors il fallait pas lui donner un GG. C'est pas grave. Ah mince, il y a un Zeraora. Bon. Ah oui, il a changé d'avis avant moi. Il est sympa ce Zeraora. En ce moment, je vous cache à croire que ça me frustre de voir que mes alliés ne poursuivent pas les ennemis qui fuient alors que les adversaires n'ont plus rien en HP et que mes alliés ont full vie. Karchakrok n'est pas fait pour les courses poursuites. Oh. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Karchakrok, malheureusement pour lui, j'espère vraiment qu'il va avoir un bon buff là parce que. Oui, oui, j'en mais... fais ce que je veux des Karchakrok. Il mérite, le pauvre. Chromosome SMA. Bon, de toute façon, moi je veux juste la jungle au début. Du coup, Zeraora, tu pourras y aller après. Ah, le problème, je dois t'avouer que j'ai... Non, en vrai, les Zeraora, je les comprends pourquoi ils veulent la jungle aussi. Ouais, mais le problème après, c'est que les Zeraora, ils veulent dormir dans la jungle aussi. Ouais, c'est vrai. C'est le ça. Lion terrible, le lion, il dort dans la jungle ce soir, tu connais. Mais bon, ça veut pas dire que lui, il est comme ça, mais. Bon. C'est un Zeraora sympa. Qu'est-ce qu'il fait Pikachu? Non, ça va. Enfin, même s'il a quand même attaqué celui d'en haut, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Zeraora? Ah non, Pikachu? Oui. Les Pikachu en ce moment, je m'en méfie. Je les trouve bizarres. Surtout ceux avec un skin du Battle Pass. Pourtant, il devrait pas s'il paye. Ça veut dire qu'il est un minimum intéressé par le jeu, non? Ouais, je sais, mais je sais pas. Je sais, mais je ne sais pas. Oh non, pas Lucario! Lucario qu'on appelle dans le milieu le Pokémon aux 1000 coups de poing qui font 1 milliard de dégâts. Comme tous les autres Pokémon. Son thème c'est Je suis invincible. Ah bon, ouais, totalement! Ah non, c'est lui. Ah purée, ils sont 3 aussi en bas du coup. Parce que là, je vois Grenousse là. Ouais. Ça se bat là. Waouh. Désolé, j'ai du bac parce que j'ai plus de points de vie. Oh, bien joué! Allez, je peux le tuer! Non, dommage, c'est pas grave. Je vais pas cracher sur le fait que tu l'as tué, bien sûr. Oh, il revient déjà le Lucario! Ouais, oui, mais les méchants, ils repopent à la vitesse de la lumière, t'inquiète! Mais pourquoi moi, là? Je vous ai rien fait, monsieur! Laissez-moi vivre ma vie tranquillement! Oh purée, vous dégommez bien, vous. Moi, je sers à rien, mais voilà. Amusez-vous bien, voilà. Profitez bien de votre jeunesse. Bon, j'arrive bientôt. On mange des tabunets en attendant. Voilà. Mais non, évidemment. Bah non, faudrait pas s'amuser dans le jeu, hein. Toujours. Toujours, c'est important qu'il reste toujours un point de vie à l'ennemi parce que sinon. Un point d'XP parce que sinon en tant que Tarsal tu t'amuses et ce serait dommage. Voilà. Ah, Pikachu il veut se battre. Je vais grignoter une petite baie, voilà. Non, pas les Flagados, moi j'aime pas les Flagados. Je préfère Lucario à la limite. Je préfère Lucario. Oh, ça va, c'est tranquille. Oui, voilà. Quand il y a des amis, c'est bon, mais quand je suis toute seule, les Flagados, c'est un enfer à affronter. Mince, tu as été trollé par nous. Eh oui. T'aurais dû me le dire, j'ai pas regardé. Il y a Amphinobi là qui arrive. Ah. C'est bon, il y a plus Amphinobi qui arrive. Par contre, j'ai tellement pas de niveau, moi. Ah ouais, t'es que niveau 6. Vas-y, tue-le. Ouais, mais là j'ai plus d'attaque, donc attaque quand même, hein. Ça c'est genre le laisse pas en vie. Tu l'as eu! Bon, je sais pas pourquoi j'ai eu, mais. Allez, let's go!
Oh, j'ai fait. Je monte, salut. Ouais. Ah, voici Flagados qui court contre les murs. Le fameux. Oh, t'as 30 points. Allez. Mince, bon, je suis mort. Lucario, il a pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai tout dégommé. Lucario ? Bah, il y a un Lucario avec nous. Ah, ok. Et il poursuivait des gens, mais moi, je les ai tous mangés. On a mouru, on est en train de nourrir le Greninja qui n'en peut plus. Il est bientôt niveau 14, là, c'est bon. Oh, purée. Bon, il y avait... Ouais. Ah non, ça a compté mon input, d'accord. Bon, en même temps, je l'ai fait, hein. Bon, et ça va, hein, Lucario, là, qui se déplace à la vitesse de la lumière encore, là. C'est inadmissible, ça. Bon, il était censé être accompagné d'un Flagados. What a call ! Il est là, ok, très bien. Ah, mais t'es que niveau 8, pardon, Lucario. Je vais pas voler ton exp, je veux juste... aider. Bon, le fenard revient pas. Il y a un fenard qui me poursuivait, mais il est... Un Dreadnought qui va pas tarder à repop. Ok, j'arrête. Attends, non, j'ai vu quelqu'un, là. J'ai l'irrépressible envie de le dégommer. Voilà, c'est bon. J'ai faim, oui. Je suis pas niveau 10 au deuxième Dreadnought, ça craint un peu, quand même. Ah, un Flagados qui se balade, là. Peut-être que je peux le prendre en sandwich avec vous. Ah mince, il y a l'autre Lucario. Ok, c'est bon, par contre moi j'ai plus de vie, alors je vais pas pouvoir vous aider au Dreadnought tout de suite. Ah non, c'est un allié ça, ok, très bien. Il y a un Lucario qui est avec nous. Ouais, sur le coup, tu vois, je vois un Lucario énervé, j'ai eu un peu peur, tu comprends, mais il vient pas m'aider. Mais non. C'est bon, on a tué l'Amphinobi qui voulait marquer 40 points pendant que t'attaquais. Ah d'accord, ok, pardon. Y'a pas de mal. C'est pas contre toi. Bon, par contre, je meurs, moi, je m'en vais. Non, Lucario, le méchant, pas bon, va-t'en. Laisse-moi tranquille, je rentre chez moi, moi. Y'a pas de souci. Mais il m'en veut. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est bon. Bon, bah du coup, je rentre pas chez moi. Ah, il y a l'Amphinobi. Oh non. Est-ce que je vais réussir à marquer? Ah ouais, c'est bon. Okay. J'ai failli remarquer pour charger, mais... Ok, bon. C'était une belle bagarre, c'était sympathique, c'était rigolo. Pourquoi il y a des bisons qui sont à moitié attaqués et pas finis? Ça m'arrive des fois de pas les finir parce que je me dis, oh là là, non, la situation est beaucoup trop dangereuse. Bon, là, je suis venu troller. C'est pas une bonne idée. Je fais exp mes ennemis. T'inquiète, j'empêche. Tu vas où, Pika? Moi, je voulais juste farmer mon spécial. J'imagine que tu te demandais où est-ce que j'allais aussi. Bah, ça m'arrive parfois de ne pas terminer la jungle non plus parce que je me dis, oh non, la situation est beaucoup trop urgente là. Je vois mes alliés galérer, je me dis, tant pis, je la finirai plus tard. Ouais, je vois. Tu vois, il est long, mon machin. Bah oui, t'es niveau 13. Mais oui, mais quand même. Vas-y, il y a Dreadnought, il revient, je vais me le faire toute seule. Purée, je me fais dégommer. Dommage que... Mais non, c'est un Flagados ennemi, d'accord. Oui, je suis en train de me dire, dommage qu'il m'aide pas, lui. Bah forcément qu'il va pas t'aider. Bah dommage qu'il ait pas son allié non plus, du coup. Mince. Ouais, il est niveau 15, lui, c'est bon. Non, il est niveau 13. Voilà, il est mort. Du coup, tu l'as eu, Dreadnought? Non, il était pas encore. Ah, ok. Bon, je vais essayer de venir t'aider. Mais c'est la spécialité de cet Amphinobi, profiter du Dreadnought pour aller marquer en mode hey. Eh, moi je connais la strat, tu vois. Bon, en fait, il y avait déjà quelqu'un pour venir t'aider. Bah, il vient d'arriver en du fait. Du coup, j'aurais pas dû venir, j'aurais dû aller là-haut. Donc, je vais retourner là-haut. En fait, vous avez trop raison. Parce que Lucario aussi est là, et moi je vais passer là-haut, je pense, pour marquer. Vu que. Oh mince, il y a un Lucario qui fait des fous en fait. On s'est fait avoir. Ouais, mais il aurait attendu un petit peu. Oui, j'avoue, c'est dommage pour lui, finalement. Il aurait attendu un petit peu, il aurait pu... Un beau coup. Ah,
T'as de la chance que mon Absol a voulu attaquer ce crabe, hein. Non, désolé Zabdo, je voulais pas t'attaquer. C'était pas contre... Oh non, je vais mourir. Oh oui. Oh, bien joué. Ok. Très bien. Bon, allez, lui... Bon, le Amphinobi m'a vu. Lui, il est insupportable, donc... Oh, ils sont trois. Ouais. Ouais, bon, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis un peu trop emporté. Purée, et du coup, vous êtes plus que deux. Bon, Zerora arrive. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Je suis trop, beaucoup trop sanguin, tu vois. Ah mince, ils veulent marquer en bas, on dirait. Je sais pas trop ce qu'ils font. Il y a toujours un machin... Ah, ok. Il est descendu, du coup. Il y a toujours un machin qui est en train d'attaquer. Attends, je tue leur petit gars qui ont 50 points. Non. Je l'ai eu. Ouais, bravo. Bon, par contre, il y a un Lucario en bas qui veut marquer 50 points. Mais vu que vous avez des points, ça devrait... Enfin, je sais pas ce que tu fais. Je vais le laisser... Pff, ouais, mais non, mais toi, tu sers à rien. Je disais, je vais laisser Zeraora. Ouais, mais ouais. Du coup, ça va être du sang contre du sang. Ouais, je voulais y aller, hein. Je voulais y aller plus tôt si je m'étais pas fait attaquer par un stupide crabe. Moi, je pense que je vais rester pour... Oh non, je vais rester pour rien du tout. Ils ont l'air d'être... Ok. Bon. Ça très va. Bien. Bien joué. Pourquoi j'ai l'impression que tous les Pokémon n'ont pas la même vitesse? Parce qu'il me semble que c'est le cas. Il y a une stat de mobilité, c'est ça ou c'est pas ça? Non, je crois que je sais pas. Non, je crois que tous les Pokémon se déplacent à la même vitesse, sauf Gengar. Bien joué tout le monde. Waouh. Je suis pas Gengar. Je sais rien. Et tu peux pas dire ça, il y a Ardito, il a jamais marqué, il va penser que du coup il est nul à cause de ta remarque. Non. Ah. Personne n'est nul, sauf moi. Youhou. On retrouve... on retrouve ses manches. Vous avez déjà essayé d'imaginer le futur map ainsi que leur concept ou bien des paysages en particulier? J'avoue que non, faut même pas traverser l'esprit. Oh, attention, on va jouer avec attention, des gens là, vrai match classé, il faudrait pas que tu dises non, je veux pas jouer avec cette personne. qui ressemble à toutes les autres personnes. Non, oh mais là non, là. Non fois deux, hein. Oh là là, mais ce match, ça va être une catastrophe. Oh là 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 là, c'est trop nul. Peut-être que ça va aller. Quels Pokémon sont bons pour le Elector d'ailleurs? Je joue jamais un truc qui peut lui faire mal. Oh, je trouve que Gardevoir il est génial. Bah après honnêtement, je trouve que les Pyrobut et Amphinobi ils font énormément de dégâts. Oui. Aussi. Sinon, pour revenir sur la question des maps, moi je m'attends très franchement à avoir des variantes de Cyber City et de Oroma Park, mais en grande map quoi. Dans les maps à venir. Mmh. Est-ce que je vais avoir le temps? Fallait pas valider si t'étais pas prêt! Ça dégoûte. Ce n'est pas le cas, du coup tous les Pokémon vont à la même vitesse. Bah en fait, à vrai dire. C'est possible que les comment y a, en fait il y a des tapis pour aller plus vite, il y a des attaques qui font aller plus vite, il y a des trucs comme ça en fait. Du coup c'est peut-être pas, peut-être que tout le monde a mais la même. Mais Gengar il va un peu plus vite je crois quand même. Oui, je crois que c'est son passif d'aller plus vite. Enfin s'il est pas en train de se battre. Après si on équipe la pierre allégée on peut aller plus vite aussi. Après il y a Rondoudou quand il chante il court plus vite aussi. Donc si jamais vous voyez un Rondoudou chanter dans votre équipe alors qu'il est pas en train d'affronter, c'est normal, c'est juste qu'il veut se déplacer un peu plus vite. Faut savoir jouer plusieurs persos. Oui, mais comment l'expliquer plusieurs fois? Comme on est en début de vie du jeu, pour l'instant, on n'a pas trop voulu s'intéresser à d'autres personnages parce que... comment ça s'appelle? Mais que... Ah non, ok, il se TP pas... D'accord. On n'a pas envie parce que déjà, on attend avec impatience Nymphali. Et Nymphali, là, peut-être qu'éventuellement, on voudra apprendre à le jouer. Maintenant, c'est vrai que ce sera plus toi que moi, je pense, vu que moi, je suis plus attaquant physique. Il y a un... Non, c'est vrai, j'avoue.
C'était sans compter sur le fait que je sais pas comment je vise en priorité un bébé monstre par rapport aux ennemis. Ouais, non, avec les attaques, je trouve que t'es obligé de viser avec le stick droit, du coup. Non, on peut pas vraiment viser, hein. Tu parles des quoi, des attaques ou des... Des attaques en A. Ah bah il faut appuyer sur B du coup. Enfin si t'as mis le truc. Non je l'ai pas mis. Ah tu l'as pas mis, moi bah, je l'ai faudrait mis. Que je le mette. Hein. Et du coup voilà, je m'entraîne à jouer... Quand on prend mon Absol, j'essaye de jouer Flambino du coup. Ouais bah surtout qu'en fait le truc c'est qu'il y a aussi le concept des items en fait. Oui voilà c'est ça. Et comme moi j'ai un Pokémon physique, bah j'ai monté des items physiques. Du coup j'essaye de me tourner vers un Pokémon physique. Du coup, bah moi, je joue un Pokémon qui ressemble à Gardevoir en second, c'est-à-dire... Bon, après, voilà, il faut jouer aussi un truc qu'on aime bien, quoi. Donc, je sais pas spécialement... Je suis niveau 3. Ah, c'est vrai, il faudrait que je te laisse XP, en fait. Tous les Pokémon n'ont pas la même vitesse de base. Bah, comme je disais, il y a la stat de mobilité. Vas-y, je vous botte ce truc. Je devrais peut-être te laisser les mobs, hein, pour vraiment que j'y pense là, je ne suis pas un tarsal. T'inquiète, ça va. Tiens, il y a un non mais oui là. Je crois que ça nous est jamais arrivé hein, de se faire voler nos deux personnages en même temps. En plus, ils ont les skins, quoi. Ah mince, on l'a eu. Je t'aiderais bien, mais comme j'ai plus de vie... Je crois que je suis volé au niveau 7. Mmh. Et après j'ai l'attaque abusée. Ah mince, c'est un truc bien. Désolé, j'ai eu peur de ton réveil. Ah non, ça c'est un alien. Oh, y'a personne qui avait marqué encore. Oh non, je vais mourir. Ah, tout le monde vient pour Dreadnought, c'est trop bien. Waouh, c'est rare. Oh bah ça donne un coup, moi je l'attaque maintenant. Hein. Oh, il m'a quand même eu. Oh, bon. Je me rends pas compte que Dreadnought, il attaque d'aussi loin. Bon, tout le monde est là. Pas que les méchants. Pas que les gentils, je veux dire. Mince, on a le Tarsal de notre team. C'est encore un Tarsal, le pauvre. J'avoue. Mais c'est pour ça que j'aime pas passer en haut, moi. Honnêtement, moi, je pense que, franchement, je recommande pas de passer en haut... Vous êtes Tarsal parce que vu que l'objectif principal c'est Dreadnought. Oh mince! Bonsoir à ceux qui arrivent! Bah pourquoi Motisma il. D'accord, il y a quelqu'un là-haut. Très bien. Bah, si on est tous en bas, ça veut dire que c'est l'autre équipe qui va pas en haut. Wouh! J'avoue que là, le menu radial pour viser avec Pyrobut, je me dirais que c'est plus intéressant. Mais non, Pyroball sur... Non, c'est pas grave. Hein. Ah mais ça sert à rien, j'ai déjà 30 points en plus. Mince. Pourquoi j'arrive pas à faire mon... Ah, il m'a cancel. Oh purée, je me suis fait dégommer. Oh non, il y a un réflexe qui nous poursuit. En fait, il faut que je rentre. Hein. Bon, moi, j'étais censée être ligne du bas. Mais il n'y a plus personne là-haut. Que fais-je? Bah là, on a toujours un désavantage, du coup. Mmh.
Mince, ils sont deux sur moi. Ils ont trois maintenant. On est très mal. Ouais, ouais, ouais. Je vous aiderais bien un Dreadnought, mais... Je vais essayer de venir. Ah bah oui, du coup, il n'y a plus de... Bon, j'en ai même pas eu un seul. C'est super nul, ce spécial. Il sert à rien. Il fait zéro dégâts, le spécial de Nintegles. Bah, il faut les geler avant. Ils ont pas encore attaqué le Dreadnought. Ouh! Ah, c'est vrai qu'en pourtant que ça fait mal. Hein. Il nous l'a volé. Oh, trop dommage. C'est peut-être perdu. C'était perdu au moment où on n'a pas pu choisir Absol Gardevoir. Ah ouais. Moi, parce que moi, je suis vol. Je suis pas sympa. Bah, t'avais qu'à pas me le voler, mon Pokémon. Bon. Je pense que c'est pas judicieux de courir après un Gengar qui a 3 niveaux de plus que toi. Hein. C'est vrai? Dommage. Je parlais à Kirby. Hein. Ah, ok. Headshot! Ok. Pas le temps de frimer. On avance, on n'est plus dans le rouge maintenant, on est dans le orange. Bon, je serais tenté d'aller là-haut parce que... Bon. Je vais venir en haut, je pense. Sans moi, je n'ai aucune confiance en moi, donc voilà. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Peut-être que je pourrais marquer. Méga mal. Zapdos, il arrive bientôt en fait. Du coup, moi, je vais utiliser mon spécial. Quelle mauvaise idée. Oh, on a réussi à rattraper un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah, il est en train de marquer. Ok. C'est abusé parce qu'on est à deux dessus et il a quand même pu marquer. Non, j'ai le coup dans le mur. Ah non, mais tu sais, Nielfto, ça sert à rien de répéter plusieurs fois la même phrase, sachant qu'on t'a expliqué nos positions. C'est un robot. Bon, comment ça se passe, Zabdos? On a peut-être une chance de le faire. Moi, je sais que je m'amuse pas si je joue pas à un personnage que j'aime. Ah bah oui, mais non, mais oui, c'est important. Du coup, bah... Il y a des gens qui s'en fichent du... Ouais, et c'est très bien pour eux, hein. Mais moi, je suis pas comme ça, personnellement. Bon, ça va en gros, bon, qu'est-ce qu'il me veut, lui, là, encore? Incroyable, ça! Je sais que tu vas marquer là, mais comme je suis poursuivi par un Tortank, j'ai un peu peur. Je vais pas réussir. Bon. J'ai pas marqué, mais je pense que c'est pas grave, puisque j'étais la personne dans la team qui avait le moins de points. Vous avez beaucoup joué contre des Tortanks, il y en a un qui m'a choqué, j'ai que ce que j'ai vu en tête quand j'en vois un, son unit est méga rapide. Moi je sais que le seul truc qui me choque, c'est que quand je m'approche d'un Tortank que je ne vois pas encore, mon Absol se met à voler très haut dans le ciel et ça me surprend beaucoup. Voilà, les Tortanks sont forts hein, pour l'instant. Mais c'est comme c'est le nouveau perso, c'est plutôt normal. Bon... En haut, en bas, ils arrivent en haut. Ils poursuivent toujours Jigglypuff, ils sont... Ah, ils arrivent en bas. Oh, ah non, c'est toi. J'allais dire, j'ai fait un petit kill, et bah non, pas du tout. Donc j'ai rien tué, moi. Si, tu as... Ah non, c'est pas toi, Gardevoir. Bah non, on me l'a volé. Chérie, on a gagné ce match, mais... Ça se fait pas. C'était juste à la fin, honnêtement. Ça, une victoire non méritée, là, je dirais, hein. Ah, vous méritez pas les GG, vous avez volé nos Pokémon, mais bon. Mais si, on a gagné. Je rigole, t'inquiète.
je plaisante. Grâce à eux, on est passé classe 3-4. On était déjà. Oui, mais c'est long de remonter. Hein. Mais ouais, son l'unit move de Tortank, il est super rapide, je trouve, aussi. Et du coup... Mais il ment aussi, il ment aussi. C'est un unit move qui ment. Bien sûr qu'il ment. C'est un unit move qui ment, tu vois, il te met un cercle, mais en fait, il te fait des dégâts en dehors du cercle. Et du coup, je déteste les jeux qui font ça, et je comprends pas pourquoi ils font ça. Bah comme je te dis, hein, mon Raptor qui se retrouve là-haut, quoi? Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ça me fait toujours rire de voir que des Pokémon courent ralenti dans ce jeu. Ah mais non, mais moi ça me fait rigoler de voir effectivement Absol se déplacer au ralenti comme ça, là. Il bondit, non, mais... Non. Ou il y a Fenard aussi qui est dans le même imagine cas. Imagine qu'en fait on est sous l'eau. Ah, je vois. Mais non, mais la gravité est à x3 en fait. C'est pour ça. Ça doit être ça. Et quand on a notre unit move qui nous permet de courir plus vite, genre là, moi... Là c'est vitesse normale. Son unit te met directement à 25% de ta vie, même si tu n'es pas proche de lui sans différence de niveau. Ah non, mais Tortank, il fait peur, hein. Nous, en général, quand on voit des petits carapuces, on se jette sur eux pour qu'ils évoluent pas. Ah ouais, non, moi la règle, c'est... Focus carapuce en priorité. C'est carapuce, grenouille, c'est tarsal. Genre, vous êtes là, vous êtes pas évolué. Carnivore. lui, il a mon GG direct, c'est bon. Avec un nom pareil, il a mon GG direct, c'est bon. Ça me fait trop rire, un but bizarre carnivore, j'aime bien. C'est une plante carnivore, c'est ça? Exactement, c'est bébé plante. Ah ouais, bébé plante. Mince. Ah non, ils l'ont eu, dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, un bon petit match là. Me voilà. Ah, c'est Daniel. Tu vois, il y en a un, justement. Il y a Daniel, il est là. Je veux bien que tu le battes. Je me suis trompé de cible, mais j'imagine que c'est pas si grave. Ah oui, je marque en dehors du goal. Ah, mais y'a pas de soucis. C'est pas comme ça que ça marche. On en a rien à faire. Oh non. Ah mais non, c'est un sale. Pourquoi il est niveau 4? Parce qu'il est dans la jungle. Moi je suis pas niveau 4 quand je sors de la jungle. Oups. Et bah peut-être qu'il s'est pris un petit bout de jungle. Je ne sais pas. Salut Kyono. Ah, t'es passé vétéran, bien joué. Oh, vous êtes méchant. T'inquiète, y'a un Ludicolo qui t'attend. Je vois, je suis qu'un niveau 4 moi. Bon, en fait je dis ça, mais il est au même niveau que moi, donc. Je pensais que j'étais niveau 5. Mais en général, quand je quitte la jungle, je suis niveau 5 en tant que Tarsal. C'est pour ça que je suis étonné. Mais peut-être qu'il est allé dans la jungle et il y avait déjà un Pokémon en moins, ou il s'est fait voler le poncho. Fin... Ouais, c'est possible. Ça doit être Daniel, je pense. Non, je rigole. Ils arrivent à 2. Donc Kirlia. Ah, Kirlia, déjà? Ouais. Non, ça, on l'a pas eu. Ah si, tu l'as eu, bien joué. Ouais, par contre, moi, c'est mal. Ouf, j'aurais dû fuir. Bon. L'unit de Tortank est si rapide que quand j'ai vu qu'il pouvait voler des électeurs avec, je me suis dit que ça valait pas la peine d'être en vie. J'ai peut-être mal lu le message, mais... Mais waouh. Mais Tortank, il est fort au début, après il sera nerfé, vous inquiétez pas. Ou le prochain personnage, il sera trop fort. Ok, bon, c'est sans moi. Oh, dommage, je l'ai pas eu. C'est dommage que la dernière, genre... C'est dommage que, genre, elle soit pas un peu téléguidée, la dernière attaque de Tarsal, en mode... Elle va un peu plus loin, hein, pour tuer le dernier pourcent. Oh, dommage, j'ai mal visé.
Oh, puis on m'a bien dégommé, hein, en même temps. Je l'ai pas dégommé, si. Bon, par contre, je me fais dégommer par... Ok, Florian. Mais il est fort, il a dit! C'est ça son nom, en plus, purée. Ah mince, ils arrivent, les méchants. Ok, bien joué Florizarre, qui n'est pas un Florizarre, mais un Air Bizarre, c'est trop mignon un Air Bizarre. C'est vrai, hein. Pendant un moment, grâce à Smash, j'étais trop fan d'Air Bizarre. Ok. Je serais tentée de m'attaquer au Dreadnought, mais... Il y a le Kirlia voleur qui va venir. Oh non, pire, il y a le Pikachu voleur. Oui, c'est pire que tout. Les gens qui volent le poncho sont tellement méchants! Les pires, hein! Oh là là, là, ça va être compliqué, Dreadnought. J'aurais peut-être pas dû l'attaquer. Mon mauvais. Bon, ça va, ils ont. Oui, bien joué! Ça va, ils ont un Carabaf qui les aide pas, qui préfère aller marquer. Ça, c'est. La méchanceté gratuite, hein. Non. Mignon, Marc, bon sang. Non. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. T'inquiète. Bon, en vrai, j'avais pas regardé. J'étais là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru que t'avais ramassé des bêtises pour ça. Non, je les ai pas ramassées, justement. Maintenant, je les ramasse. J'ai vu qu'il y avait des petits points, je me suis dit, oh non. Comme ça, on verra. Regardez-moi, j'ai plein de points. Je vais aider là-haut. Ouais, vas-y. Salut. Une que eux vont abandonner. Bah, je vois déjà là-haut, il y a du monde, hein, donc finalement. Ah, donc ils sont en train de se faire. Oh, mais. C'est que vous avez pas mal de petits machins, vous. Oh, j'ai quoi? Pourquoi je contrôle plus mon perso? C'est bon, je le contrôle. Oh, j'ai encore perdu mon téléphone. Vais-je pouvoir marquer mes 40 points? Bien joué. Tortank m'a trollé. Méchant porte. C'est dommage, hein. Oh, je... Vas-y, on tente. Merci Ronflex, t'es trop cool. Allez, allez, vas-y. Bien joué. Oh, j'ai trop envie de leur dire GG, mais on peut pas. Enfin, ça se trouve, on peut, mais je sais pas comment on le dit. Ouais, j'avoue. Allez, je me fais le Tarsal. Le Tarsal. Yes, c'est bon. Ok, c'est bon. Enfin, c'est pas un Tarsal, c'est un Kirlia, mais bon. Oh, j'ai eu les deux. Parfait. Ça va, on bloque le petit... Non, je l'ai fait évoluer, je suis trop méchante. T'as fait évoluer qui? Le Tortank. Oh. Il était en mode trop bien, on le bloque et tout, j'essaye de le taper et il m'a tué. Bon, je vais essayer de me faire Dreadnought seul, mais... Pour ne pas de y arriver. Mince, il est là, Dreadnought. Mais t'as l'air de gérer. Oh, gérer, c'est vite dit. Hein. Non, vous allez me le voler, bande de méchants pas beaux. Je vous hais du plus profond de mon âme. Ta vengeance sera terrible. Ouais, bah même pas. Ils sont trop nuls. Je déteste ces joueurs. Faut leur mettre un nom au bout de job à vous. Un pouce vers le bas. Un pouce vers le bas, exactement. Bon, c'est dommage. J'aurais peut-être pas dû tenter, tu me diras. Hein. T'étais seul, c'était pas une bonne idée. Mince, il y a notre truc qui est mort. Enfin, je sais pas qui a tué en fait, c'est pour ça que je dis ça. Mince, bon, ok, au milieu, c'est très bien. Ok, c'était un garde-voir, bien sûr. Un Tortank. Ah mince, il y a un Tortank versus Tortank là. Mais c'est pas Tortank, bon sang, c'est Floriza. Arrête de dire n'importe quoi, personnage de moi. Ils nous ont volé le motisma. Oh là là, mais nul. Que des voleurs en fait. Ouais. Regardez ça là, regardez. En plus c'est écrit instoppable. Mais regardez ça, ça fait trop mal Tortank quand il fait ça, c'est abusé. En plus j'ai utilisé mon spécial pour rien du coup. Je pense que le passif de Fenard devrait être nerfé. Non mais le passif de Fenard il est rigolo, il fait que voler. Ouais ouais, c'est ça, le problème du passif de Fenard c'est pas... C'est, honnêtement je le trouve pas fort mais je le trouve pénible quand tu joues avec tes alliés. En fait, oui, c'est ça. Finalement, il est plus gênant pour tes amis que pour tes ennemis. Oh, oh non, dommage. Allez, vas-y, Tortank, tue le Pikachu. Vite. Non, c'est pépé. Bon. Ok, ils sont tous au milieu.
J'imagine qu'ils essayent de se... Oh bah carrément, ils sont tous au milieu. T'as de la chance pourtant que je suis bête. Hein. Wow, wow, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué? Ah oui, ouais. Et... Vous savez quoi? J'aimerais ne pas me battre contre Tortank. Ok, bien joué du coup. Par contre, ça va pas du tout. Oh, ce méchant, ça, et puis mon jeu qui va attaquer Ludicolo, évidemment. Ça saoule, ça, quand c'est jamais moi qui marque à la fin. Oh non, j'ai raté aussi. J'ai jamais le droit de marquer à la fin. C'est méchant. Vous êtes méchant, vous savez ça, que vous êtes méchant. Oh, et puis il y a un Florizard qui se fait plaisir là-haut. Ouais, mais ça va, il est tout seul. Ouais. Regarde là, il a 5 points. Bon, remarque. Il fait son truc. Non mais oh. Oh non, il y a Tortank en bas. Je vais rester là, moi. Enfin, visiblement, il y a Pikachu qui se moque d'eux, donc ça va. Ça y est, il est mort. Plus personne n'est là. Bah, le temps qu'ils arrivent, je vois que ils sont quand même pas mal, hein. Là, ils vont peut-être, ils vont sûrement arriver en force à un endroit. Ah, ouais, en ils bas, arrivent ça en vient bas. En bas. Mais non, pourquoi ça attaque le truc? Quel dommage! Oh non, je suis dégoûtée! Mon unit move, j'ai gâché! Ok, bien joué! Et sinon, le passif de Fenard, c'est alerte neige, qui oui, fonctionne comme grêle. Donc en gros, ça fait de temps en temps une petite pluie de glaçons. Allez, bien joué à mon préféré carnivore. Regarde, on a quasiment tous le même score. Beau, hein. Ah, c'est beau! Waouh! Ah bah Carnivore le meilleur hein. Ah bah Carnivore le meilleur, moi je dis. Vous devrez tous prendre exemple sur Carnivore et Venusaur. Si vous êtes joueur de Venusaur, prenez exemple sur Carnivore. C'est pas gentil pour les autres alliés, ouais je sais, mais bon. Oui bref du coup comme. Et donc du coup je sais pas trop quelles sont les conditions qui font que Grell s'active, mais en gros souvent t'es en train d'attaquer un Pokémon. Je crois que c'est aléatoire entre guillemets. Enfin c'est pas aléatoire mais c'est genre un temps tous les temps donné ça. Imagine, t'es occupé à taper un non mais oui et soudain un Fenard ami apparaît, ça lance sa Grell tout seul et pouf, il tue le non mais oui et toi t'es là. Non mon expérience. Non le pire c'est ouais c'est ça. Ouah il est trop loin. Le pire, c'est que bah, y a, parfois, il y a les junglers, surtout en début d'histoire, où ils n'ont pas beaucoup encore d'attaques, genre parce qu'ils n'ont pas forcément les bons objets ou des trucs comme ça. T'as le petit Goupix qui là, alerte neige sur le Ponchio. Et tu peux rien faire, hein. Tu le vois tomber, tu le vois tomber, tu le vois tomber. Je me demande à quel point le Fenard lui-même, il se dit le Goupix, oh il non. Le voit. Mais c'est pour ça qu'en général, quand tu joues Goupix, il faut que tu te... Pas que tu te colles sur la ligne, mais enfin, vers la jungle, faut que t'ailles le plus haut possible. Ou plus bas, du coup. C'est pareil avec, de toute façon, c'est pareil avec les personnages qui peuvent attaquer à distance, style Pyrobut, Gardevoir, des trucs comme ça. En début de partie, tu vas le plus éloigné possible de ta lane pour pas voler le Ponchio sans faire exprès. Après, le passif de Fenard s'est fait nerfer, il ne fonctionne plus sur les Pokémon cachés dans les buissons. Oh, ah. C'était pratique quand même. Mais c'est vrai que c'était abusé. Mais après, le passif de Fenard et pas le Fenard de passif, il est pénible aussi parce que toi, des fois, tu veux te cacher, tu veux rester là incognito pour genre voler le Dreadnought ou le Zapdos ou ce que tu veux. Et puis, alerte neige. Et puis là, les gens ils se disent « Ah, alors vous voulez vous cacher, monsieur Fenard ?» Bon, rappelle-moi que je dois surtout pas appuyer sur Sucker Punch. Ok. Là, c'est un match. Si je joue Sucker Punch, je vais mourir. Bah, je sais même pas c'est à quel niveau que tu l'as. 7. 7. J'essaierai de te le rappeler. Alors. Je crois que je me suis fait troller parce que j'ai oublié d'utiliser ma queue Skitty sur mon Ponchio. Ah, tu aides les alliés, c'est beau. Je suis pas sûr. C'est gentil. Je crois que c'est bon quand même. Je crois que c'est bon. Oh non, j'arrive trop tard. Bon là c'est de ma faute, hein, je vous l'accorde.
Vous avez le droit de m'insulter, je suis McShane 666. Pourquoi je suis descendu tout de suite? Je suis trop bête. Je perds du temps. Bah tu vois, j'ai plus d'exp que d'habitude, donc à mon avis, j'ai dû tuer mon poncho, mais j'ai dû du coup profiter de l'exp des cap humains par la même occasion. Bon. Ah, bon, moi par contre, en l'occurrence... Bah, petite arsale là-haut, faut le taper. Je... Ah, oh, il l'a vu, le vilain Tarsal. N'oublie pas que tu ne dois pas appuyer sur... Oui. T'inquiète, je vais rater au dernier moment. C'est quoi qui va t'embêter, là, si tu joues ce cartouche? C'est bah. Lui, je crois, voilà. Oui, voilà. Et il a j'ai entendu le super sound effect baf.mp3, je me suis dit, ok, je vois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est surtout que il y a que des attaquants à distance dans ce match. Par contre j'ai des input lag et ça j'aime pas non plus. Mon Pokémon il va plus loin que ce que je dis. Ah bon vas-y je te le laisse. Ah, ouais je veux dire parce que normalement t'évolues. Moi je vais essayer d'évoluer à mon tour. J'adore quand je fais zéro dégâts. Bon, tu meurs. Voilà. Oh non. Oh non, il m'a abandonné. Ils étaient 3 contre 2. Ouais, mais moi je leur faisais plein de dégâts quand même. Peut-être en avoir un dans le tas. Non. Quel dommage. Mais c'est bon, calmez-vous! Bon, je suis évolué quand même. Tu es presque tout le monde. Sauf le Kirlia. Bon. On va pas être trop gourmand. Ouais, ouais, on arrive avec Reptensel. Ah, voilà, Psychocut. C'est bon. Je ne me suis pas trompé, tout va bien. Il y a le Kirlia qui guette. Tu l'as vu? Bah, je l'ai vu monter. Voilà, il est là. Ok, ses amis sont venus. Donc moi je me suis suicidée parce que je croyais que j'avais Sucker Punch quand même. Ah, Motisma a tué, bravo Motisma. J'avoue que sur le coup, je savais pas qui avait écrit ce genre de choses. Si si, c'est écrit, même si tu te fais tuer par genre une abeille. Mais du coup pourquoi Motisma il attaque notre goal? Ok. Bon, on a perdu. Mais non, c'est trop triste. En fait, des fois, j'ai l'impression que j'attaque de dos, et en fait, visiblement non, du coup, mon attaque fait pas autant de dégâts que ça. Attends, mais non, mais gros doudou, il est déjà revenu. Bon, ça va, hein. Vous faites la fête, il semblerait. C'est chouette. Allez, hop, c'est le Dracoufeu tricheur. Mince. Mais non, c'est trop nul. En fait, je me suis fait stun par le Moonblast et du coup, je suis restée dans le cercle de la déflagration et du coup, je suis morte. C'est nul, là. Pourquoi ça vise pas bien? Le stick droit fonctionne bien, s'il te plaît. Je voulais pas tirer en bas. À quel moment j'aurais bien voulu tirer en bas? Bon, allez, c'est le moment. Je sais plus quoi faire, du coup, puisqu'on fait que perdre tous les duels. Et voilà, et là ça allait en bas, mais moi j'appuyais en haut. On a un milliard de niveaux de retard, ça fait plaisir. Je vais blâmer sur le fait que j'ai pris. Psychocut. Allez, bien sûr, tous les méchants ils sont après moi. Ah bah non, mais ça va, hein, je vous dérange pas, 3 ça va? Vous voulez pas 4 non plus? C'est bon, laissez-moi XP au moins. Je te sens agacé. Un petit peu. Bon, ça nous attaque. Ok, je viens pas. Salut. Non, mais je viens pas. Je viens pas, j'ai dit. Mais non.
Non. Waouh, je sais pas dans quoi tu t'es jeté. Alors, je me suis jeté sur une pauvre garde-boire que j'ai bien sûr battue, mais il y avait un tortan caché derrière les buissons qui m'a enchaîné et ça a mal fini, vois-tu. Bon, on est mal parce que c'est très bizarre. Ah bon, non, mais là, c'est le genre de match bien nul. Comme ouais. On les aime. Mm-mm. Mince. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer à des psychoquêtes. Du coup, je m'attends à des choses qui ne se passent pas. Ah mince, ils vont la voir. Ils sont tous en bas. Je ne suis même pas sûre d'être utile. Alors, j'appuie comme une folle sur mon unit move, ce qui fait que je ne bouge plus, parce que j'essaye de faire mon unit move, qui ne s'est du coup pas lancé, comme vous avez pu le constater. Et du coup, moi, je suis super perplexe, parce que je me dis, bon, c'est triste, on n'est pas en avance, alors mourir comme ça, c'est encore pire. Ouais, ouais. Mon drapeau feu, ah mince, t'as plus de vie. Bon, au moins, il a tout tué. Ouais. J'imagine qu'ils gardent leur base. Non, ça va, cool. Bon, on est encore avec ceux qui veulent absolument tuer les abeilles. Non ! Ça, c'est nul. J'aime pas le spécial de Dracofeu. C'est bon, vous avez tout battu. Ouais. Je sais pas si j'utilise mon unit ou pas, alors qu'il y a bientôt Zapdos, j'imagine que non. Bon, allez. Même si on répond avec un décalage, au revoir Anto Master. J'ai dit ça il y a 5 minutes. Mais non, je me fais avoir par un Moonblast et j'ai même pas perdu de vie. Bon. Il y a peut-être moyen qu'on y arrive à se le faire. Enfin bon, après, il faudrait que tout le monde ait envie de Marco quand on a 50 points. Tu vas tenter, vas-y. Pourquoi je le lance maintenant? J'avoue. Ah non, ça c'est un truc ami, finalement. Mince, je l'ai pas mon spécial en fait! Tu vas l'avoir là. Oui, c'est. Bon. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Je vais garder. Attends, ils vont où? Je sais pas pourquoi j'étais persuadé de la aura. Peut-être parce que j'avais compté et que normalement je suis descendu. Ça se poursuivait en bas. Je suis là-haut. Ok, c'est bon. Je suis là-haut! Bon, bah écoute, si tu préviens, c'est gentil. Mais non, mais. Ok, c'est bon. Bon, allez. J'ai empêché une garde-voir de marquer 50 points. Je nourris, moi, je suis sympa. Donc c'est cool. Bon. Voilà, maintenant, faut bien réussir à garder. Chose que je fais extrêmement mal, n'est-ce pas? Je fais pas ça parce que je suis contente, hein. Je fais ça pour regagner des points de vie. Bon, ça va, on a Dracofeu qui garde en haut. En bas, pardon. Vous qui gardez en haut. Ouais, par contre, je vais me faire dégommer. Ça se passe mal, ouais. Donc si tu peux monter... Bah bon... Non, je ne peux pas. Quel dommage, je ne comprends pas. Allez, Fenard, vas-y. Oh, Fenard, il gère. Par contre, en bas, là, allez, faites-moi repop, là, bon sang. Ah, j'avoue. Ça suffit, les âneries. Oh, ça commence à marquer, là. Vas-y, stun-les. Oh non, il a réussi. Mais pourtant, c'est écrit que ça repop, mais ça repop pas tout de suite. C'est un mensonge, le timer. Purissime. Bon, alors, on a perdu ou pas? Non, ah, c'est oui, bon. Ça va. Merci. Oh, bien joué. Oh, il était... Mes 8 points à la fin, ils ont... il était... Waouh, ce match, il était bizarre. J'ai particulièrement rien fait, je crois. Ouais, donc, voilà. Donc, bravo les autres. J'espère que vous étiez contents. Ok, on avance bien. Ça va, là, on fait de la progression, ça fait plaisir.
Ouf, 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 ouf. Ah bah j'ai même un petit grade d'avance maintenant. Ah bah ouais. Bah tant mieux pour toi, écoute. Non mais je pense que t'auras passé ta barre de performance, peut-être que tu gagneras aussi deux cristaux d'un coup. Tu es très forte. Ah. Attention, ça ne rigole plus. Je comprends tellement pas ce truc. Je trouve tellement que pas. Enfin, je le comprends, c'est parce que je veux pas dire que je le comprends pas. C'est plus. Je me dis, c'est tellement inutile. Je veux dire. Bah, dans Pokémon Unite, oui, je c'est comprends pas. C'est tellement en fait. Inutile. Oh non. Pas. Un personnage une fille aux avec une blonds. Queue de cheval. Je la validerai pas, hein. Parce que bon, c'est pas comme si on voyait les accessoires ou des trucs comme ça. Du coup, bah c'est un petit peu nul, quoi. On voit pas les noms non plus, du coup je ne sais pas. Bah on les voit là, mais maintenant c'est trop tard. On est une équipe de Defender. Coup, non, le fourri c'est un support, ouais. La même chose. Pour moi, il y a deux rôles, il y a attaquant et défensif. En plus, c'est un Ronflex B Citrus, ça fait plaisir. C'est les plus forts, les Ronflex B Citrus. Ou les plus chanceux. Non, non, c'est les plus forts. Enfin, en plus, c'est vraiment. Il est vraiment le plus fort. Bah oui, je te dis, c'est les plus forts. C'est parce qu'il est là que c'est invisible. Oui, 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 je pense que c'est de sa faute. Sa faute. Mais il veut pas jouer aussi avec des filles à queue de cheval, tu comprends? Salut Sissineko. Hélicoptère, il s'appelle. Ça me rappelle un match qu'on a fait à un moment et j'ai eu un Ronflex qui s'est, je pense, trompé d'attaque en début ou je sais pas s'il faisait. Mais du coup, il n'arrêtait pas de dormir devant tous les monstres au début de partie parce que je sais pas avec quoi il commence, Ronflex. Mais en tout cas, c'était très drôle de le voir dormir devant tous les monstres. Bon. Ils ont réussi à les avoir, oui. Cela est bien fort malheureux. Coucou, c'est moi. Bon, Ronflex, il a l'air de vouloir faire le crabe. Attends, il m'a fait zéro dégâts là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui est dommage? Ah, il y en a un troisième qui arrive. C'est que j'ai l'impression que quand je fais poursuite dans les buissons, ça ne leur fait pas de dégâts. Oula, mince, c'est un Pikachu. Ah, il m'a volé. Et puis je me fais dégommer. Ils sont tous en train de m'attaquer. Vais-je réussir à fuir? Non. Ah, il est terrible. Ah, peut-être. Il est terrible le truc de Pikachu. Ah, dommage, il a pas repop le machin. Bientôt, t'inquiète. C'est parce que je l'ai pas attaqué en premier, désolé. Allez, repop. J'avais pas pensé. Allez, repop. Oh là là. T'es beaucoup trop lent. Non, mais pardon, c'est de ma faute. Je ferai attention la prochaine fois. Bon bah, normalement tu sais que de manière optimale je suis pas censé mourir depuis le parti, donc je suis jamais censé y aller. Ouais. J'aime pas quand je fais rien. Ouais je comprends, y'a pas de monstre hein, non. Bah non. Y'a même pas de monstre ici. Non y en a aucun genre, c'est bien ça. Ah ok, y'a les crapins du bas qui a repop, donc je vais aller le faire. On danse. Ah. Oh non. Donnez-le-moi ce pourcentage aussi. Ah faites... dommage. Mais pourquoi ça vient pas les abeilles? C'est à 20. C'est à 20 qui repop. Ah. Ah enfin de l'action.
bien sûr, j'ai plus de vie. Forcément. C'est un fenard ennemi en face. Okay. Ouais. Je vais pas survivre. Ah si, j'ai survécu. Bien joué. Bon, je... J'espère qu'on va pas trop m'en vouloir d'être parti alors que plein d'ennemis arrivent. Bon, j'en ai eu un. Ah, super, j'ai eu un gros nous en plus. Donc ils sont pas en train de le faire. Oh là là, l'eau, elle est morte. J'ai rien pu faire. J'ai vu les ennemis, ils ont été très très méchants avec toi. Ah, j'avais une blast. Oh non. Oh. Bon. C'est la guerre, colonel, là, il semblerait. Hein. Waouh. Waouh, ils sont quatre, là, maintenant. Oui. Ils vont dégommer le Dreadnought. Peut-être qu'ils vont réussir à le voler, nos alliés. C'est pas dur, mais... Ouais, bon. Ah oui, d'accord, ok. Je t'avoue, j'ai pas osé descendre. J'aurais peut-être dû. Moi je dis, c'est abusé qu'au niveau 8 ou 9, là je sais plus, ils ont leur spécial. Moi je dis, ça devrait pas. Tu l'as au niveau 10 toi? Mais oui! Ah, ok. C'est... Mais du coup, à chaque fois, ils peuvent se le faire après. Moi je suis obligé de me le subir. Mmh, un petit peu. Il y a un rondoudou qui descend avec moi. Ouais. le machin, il a. Mon psychoc, il a changé parce que comme je marquais. Il arrive. Pas que malheureusement. Je. Bon, ok, ils sont tous là. Ils sont tous là. Je. Non. Oh c'est. Mais. Bah mais, lui, mais, il a le droit de faire une attaque téléguidée à l'infini. Personne n'échappe à l'Eliki Ball de Pikachu, hein. Waouh. Bon allez, on est tous là, là, c'est bon. Putain, mais je suis toujours pas niveau 10, moi. Ah, c'est un coup, machin, c'est enlevé. Au moment où il ne fallait pas. Bon, voilà, je suis niveau 10. Bon, je veux pas utiliser sur ça. Là, par contre, on dit pas. Oh, j'ai gelé! J'ai voulu... Déjeuner! Ouais, j'ai déjeuné. J'ai jeûné. Ah non, c'est méchant, ça. Ouais. Évidemment. Je poursuis un ronflex, mais c'est un ronflex ennemi. Ah non, il est là. Non, il est là, notre ronflex. Non, au secours! Au secours! Pas le tortank, pas beau! Ah non, c'est un allié, ça. Non, je sers de punching ball, là. C'est un peu abusé. Avec Absol, j'ai souvent un problème avec poursuite, même si... Le Pokémon adverse est dans la zone, mon Absol fait un saut sur lui-même plutôt que l'adverse. C'est la sensibilité du Locon.
saut sur lui-même. C'est bizarre ce que tu dis. En fait, comme je l'expliquais au début du stream, et t'étais peut-être pas là, l'attaque poursuite, elle se lance... en fait, quand on appuie juste sur R, ça fait juste une roulade, en fait. Et après, il faut appuyer sur A. Là, je brille en bleu, ça veut dire que ma poursuite est prête. Bon, là, c'est trop tard. Mais en gros, c'est en appuyant sur A que... Il y avait un amphinobi, il est passé où? Il est en bas. Mais non. Bref, du coup, peut-être que t'appuies trop tôt sur A et que c'est pour ça que tu... Bah non, en fait, il faut lancer la poursuite. Ouais, non, je sais pas ce que tu fais, du coup. Oh purée, ils l'ont déjà eu. Bah pourquoi ça téléporte pas? Oh zut. Allez, tu vas le finir. Ouais. Est-ce qu'il faut protéger celui qui a 50 points? Malheureusement, il gardait en bas. Je sais pas si... Je sais pas pourquoi j'attaque. J'ai trop envie d'aider le... Non, t'entends que t'as pas de points. Oh, ça a pas marché, dommage. On y était presque en plus. Genre, ils l'ont cancel à la fin. Mais ils m'ont volé mon tabunet. Ils l'ont cancel à la frame parfaite, c'est dommage. Ouais, bon, ça aurait rien changé de toute façon. Désolé, j'ai pas fait de mon mieux. Il est temps de boire un peu d'eau. Ça triste que certains skins de Pokémon ne puissent pas être achetés avec des tickets. Bah, oui, mais uniquement avec de l'argent réel. Mais ils arrivent après, en fait. Mm. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est pour inciter les gens à acheter. Pourquoi il a eu absolument si vite? Bah, si ça peut te rassurer, ça ne l'intéressait pas. C'est pour inciter les gens à acheter avec de l'argent réel et puis ensuite bah... Non, tu vas pas faire ça Harley Quinn, tu vas pas faire ça. Tu penses qu'elle va aller dans la jungle? Non, je pense qu'elle voulait prendre un flambusard. Et aller dans la jungle. T'aimes pas le flambusard potion qui va dans la jungle? Jaloux. En appuyant sur le bouton A, mon Absol ne saute pas sur l'adversaire, justement. Je suppose qu'il lui manque une cible sélectionnée, donc l'attaque est effectuée à distance nulle. Ah oui, bah après, il faut que... De toute façon, quand tu maintiens un R, ça fait un cercle. Il faut que l'ennemi soit dans ce cercle, sinon ça marche pas. Et salut, classe A. Waouh, faudra pas appuyer sur A trop vite après. Regarde, il y a quelqu'un qui s'appelle Oh Banane. C'est un joueur de Donkey Kong 64, assurément, n'est-ce pas? Comment ça va? Eh bien... Ça va! Ça peut aller. Go!
faut pas que j'oublie que je vais pas dans la jungle. Ah oui, c'est notre Gronus qui va être niveau 15 dès la sortie de la jungle qui y va. Et ça, ça fait plaisir, n'est-ce pas? T'inquiète, il sait ce qu'il fait. Bon, j'espère que juste qu'il va pas dormir dans la jungle. Non! Oui. Oh, il l'a volé! Mais tout ça parce que mon Absol, il est parti! Et en plus, il me... Je suis vraiment désolée, je suis une piètre, mince, comment on dit? Je vais dire associé parce que j'ai pas le mot, ok? Collègue. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Assistante, voilà. Et puis l'autre, là, il veut nous voler notre ex. C'est bon, calme-toi, il l'a fait en plus. Mais quel gros nul! Les gens comme ça. Pour la peine, on tue ton allié. Quoi, tu veux encore te battre? Mais laisse-moi partir! J'en reviens pas que je sois resté en vie. Je t'ai aidé, c'est pour ça. Merci. Je vais pas attaquer tout de suite. Bon, il reste... un tabune. Il y a un écrin à pince après. Il va prendre les crabes là-haut, les... Waouh. Oh, il va se faire attaquer dans la jungle. Est-ce que je devrais l'aider? Bah tu peux, hein. Ah mais il y a le petit Flambino tout seul là. Oh, il aurait gagné sa vie super vite. Oh non! Non mais... Et non mais... Il a un problème ce gros doudou. Ah mince, je l'ai pas là. Ah, j'espère que tu vas pas mourir. Non mais que quoi? Il y avait un amphilobie dans le buisson! J'ai pas évolué, c'est moche ça. Il est mort, le Tranquinobi, oui. Il m'a fait trop peur. Voilà. On va bien jouer. Bon, allez. Good Red Now, peut-être. Non, il y va pas. Oh là là. En vrai, c'est pas très grave. On peut se le faire à deux. Ouais, mais là, c'est bon. Je vois Flambino qui arrive. Et non, voilà, mais ont... non, c'est inadmissible. Tout le temps, eux qui. C'est inadmissible. Tout ça parce que. Doudou est trop fort. Ah, tu peux dire aussi que c'est bizarre, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est parti faire en haut? En plus, il n'y avait plus d'ennemis puisqu'on a tué les abeilles. Bah justement, il n'y avait plus de quoi exp. Mince, il y a un amphinobi dans notre jungle. Mais comment il nous tue tous? Parce qu'il est très fort. Ah, il est déjà niveau 15, t'inquiète, c'est pour ça. Il nous dégomme. Et nous, bien sûr, on n'a pas l'amphinobi niveau 15. Mais oui, ça dégoûte ça. Pourquoi nous, on n'a pas l'amphinobi niveau 15? Waouh, il y a du grabuge là-haut, mais j'aime pas qu'il y ait personne en bas, mais c'est pas mon rôle de défendre. Je vais venir là où vous êtes. Bon, mais de toute façon, oui, maintenant on est obligé de jouer comme ça, puisque... On est malheureusement... C'est bien, mon spécial il a servi littéralement à rien. Oh. Manque d'exp. Bon, ils sont trois morts. Oh. Oh, vous avez plein de points. En fait, faut que je t'aide. Bon, c'est mort. Ah, mais en plus, on a un carabas
qui... Non mais ils arrivent en masse en plus, hein, c'est hallucinant ça. Mais non, il y a un ennemi qui me prend par des devants là, c'est moche, c'est moche. Regarde, je peux pas fuir. Et puis j'ai eu un lag du coup. Bah oui, bah non, mais bien sûr. Faudrait pas que tu t'amuses sur le jeu. J'aurais pu fuir. Ça serait dommage sinon. J'aurais pu fuir, mais bon. Ah oh mince, ils vont tous à la drainage. Oh, ouais, bah ils y sont déjà, t'inquiète. On est mort. Non, c'est mon tête, même si. Je comprends pas un truc avec mon spécial. À mon avis, j'ai voulu le lancer trop vite. Allez, hop. Keep the pressure. On se fait dégommer, mais c'est pas grave. Non, mais ok, ça sert à rien. Je ne sers à rien. Comme tu dis, hein. Ah bah oui, mais non. Là, maintenant, on est obligé de jouer comme ça. Et à chaque fois que je fais un mouvement, je m'endors. C'est abusé. Je m'endors. Bon, tous morts. Qui c'est qui fait des trucs? Laisse ton tank marquer. Il est mort, notre tortue. Oui, et moi j'avais 50 points à marquer. Mais. Je sais pas dans quel monde je vais y arriver. Ouais, j'avoue. C'est juste des abeilles. Je croyais que c'était Flambino. Ah oui, d'accord, ils veulent la jouer comme ça. Non! Ne t'inquiète pas, Greninja, de nous. Je ne perds pas espoir. On a un Tortank super fort avec nous, techniquement, non? On a un Tortank super fort avec nous. Vas-y, détruis leur gold en... Ouais, non. Oh, mais j'ai vu ça. Bon, ça fait un truc. Bon, il y a le Greninja qui monte. Ou alors, il veut... Non, il arrive. Ok, ils sont trois au milieu. Mais bien il sûr. Il m'a dégommé. Mais bien sûr que le jeu, il allait pas attaquer le Greninja. Bien sûr, et non, non, il a préféré attaquer. Ils se le font tranquille. Ouais, ouais, ouais. Ah non, Greninja, il va marquer. Greninja. Attends, il a abandonné de marquer en plus. Non, il s'est fait attaquer. Oh là là! Pourquoi on n'a pas le Greninja à niveau 15, nous? Je les pousse jusqu'à notre goal, tant qu'à faire. Hein. C'est sympa. Inutile de retarder l'inévitable. Non mais vraiment, j'ai vraiment été tellement nulle que je sais pas pourquoi j'ai été aussi nulle. Et ça me désole. Regarde, Greninja, il retente. Vas-y, Greninja! Keep the pressure! Oh, le pauvre, il n'y arrive pas. Bon, petit hors tank, je vais regarder vers le haut. Est-ce que tu crois que c'est Greninja qui veut abandonner? Bah il a pas marqué ses 50 points. Ça n'en vaut plus la peine maintenant. Je me suis fait dégommer par une garde-voir. Vas-y Tortank, finis là! Ah non, c'est toi qui as abandonné! Attends, t'es un gros troll toi en fait. Tu la laisses marquer et après tu la tapes. Allez, c'est bon, vas-y marque!
peut-être qu'il regardait un menu ou je sais pas, et là soudain il s'est dit hey, non, mais... je sais pas ce que je vais manger ce soir au restaurant. Ou alors il pensait que c'était toi, et après il s'est dit eh hey, mais c'est pas notre garde-voir ça. Ah, une belle partie, bravo. Je sais pas, je suis mitigée, j'ai pas compris ce qui allait pas. On avait pourtant tous les bons éléments. Non ? Quelqu'un n'a pas dû avoir son main, c'est tout. Va être grainé là, je pense. Ah oui, sensationnel. J'aime beaucoup. Bon, bah moi je drop dans les enfers, c'est beau. Ça a fait plaisir. Merci de me faire descendre plus bas que terre. Bah ça va, regarde, on est pareil maintenant. Ouais. Est-ce que ça va? Je ne sais pas. Du coup. Ça veut dire que. Techniquement, tu remontes. Techniquement, j'avais de l'avance à la base. C'est vrai, c'est vrai. Donc non, c'est pas bien. Mais tu vois, je suis déjà en train de le perdre, cette avance. Ouais, ouais, bon. La ruse du pire au but qui te fait target gros doudou avec Sucker Punch, ça fait mal aussi. Ah, moi je prends pas mal les gens qui disent continuez de vous battre. Je me dis juste qu'il a envie d'encourager la team à ne pas perdre espoir. Par contre, du coup, c'est le ça qui se trop... célèbre même du vert Grey Ninja on Horse. Le nôtre, il veut marquer ses points en bas au lieu d'attaquer Zapdos. Figure-toi que visiblement tout le monde va en haut. Bah écoute. Ça va être Crabbe qui va descendre, t'inquiète. Donc je Ah mais regarde-le comme il est bien. Ah, comme il plus, est bien habillé. Mais en plus c'est nous les plus nuls de la team. Ah oui, mais nous on ne peut pas, pas trop en haut. J'arrive sur une partie bien triste. Non, c'était plus une partie bizarre qu'une partie bien triste. Ouais, je la trouve triste un peu cette partie. Mm-hmm. Moi, je la trouve triste la partie parce qu'à partir du moment où t'as deux personnes dans la team qui ont pas marqué, qui ont jamais marqué, je trouve que c'est triste pour eux, tu vois. Ils doivent se sentir énervés. Bah surtout qu'en plus, si ça se trouve, ils ont fait de leur mieux et tout, et ils se disent waouh, on va me prendre pour un boulet parce que j'ai fait zéro, alors qu'en fait, si ça se trouve, ils y arrivaient vraiment pas parce qu'en fait, ils étaient trop forts. Je ne sais pas. Ah, ça va, ah, c'est Carapuce qui vient avec moi. Ah. Zut, j'ai envoyé le poncho en haut. J'ai le Carapuce au Fedora, moi, aujourd'hui. Ah, je vais attaquer celui d'en bas en premier, comme ça, il repopera vite et tu pourras le tuer. Ah, je pensais que tu voulais monter. On dirait que tu me dis que je veux monter, mais je sais que tu parles de Carapuce, bien sûr. Oh yeah, je l'ai eu, je l'ai volé, là, comme un gros doudou. Mais quoi? Pourquoi je peux passer à travers le mur? Ah, c'est inadmissible. Trop dur à battre, Ludicolo. Ah, aujourd'hui, on va affronter un flanc bizarre. C'est rare de trouver des flancs bizarres. Ouais, j'avoue. Je me demande si c'est pas le moins populaire de tous les speedsters, tellement on n'en croise jamais. Alors que pourtant, il a un super beau skin. Mais oui! Ouais, j'en ai rien à faire, ça. C'est de l'irrespect comme pas possible! Bon, c'était pas une bonne idée. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ça. Bowser, à un moment, il est en chemise, sûrement dans Mario Golf Super Rush, mais il y avait aussi une petite pub où il était pour les coques de 3DS où il avait une chemise. Du coup, c'est peut-être pour ça que t'entends qu'il te fait penser à Bowser quand il a une chemise. Oh, bon, en fait, j'ai vraiment tout gâché, en fait. Genre, je suis vraiment la pire personne de la planète. À cause de moi, on a perdu les abeilles. Ensuite, on a perdu... Ah, franchement, je suis désolé. Hein. Franchement. C'est pas grave. M'invitez plus hein, dans les parties, c'est bon, je comprends. Et voilà, ma Fluffita, elle a pas marché. C'est triste. Mince, je crois que je te vole les kills. Oui.
Oh. Non, un truc bizarre sur moi. Ok. Ça aussi, les blancs cotons, je trouve qu'on en voit pas beaucoup. Ouais, c'est un peu triste, je trouve. Carapuce, t'as plus beaucoup de vie, tu devrais aller te cacher. Carapuce, il devrait surtout tuer un monstre. Bah oui, Carapuce, t'es notre destructeur de planète, tu devrais t'occuper de toi. Bon, allez, vas-y, Carapuce. Bien joué. Non. J'aurais dû faire poursuite, mais j'ai pas réagi à temps. Je trouve pas Flambusard rare de mon côté. Ah, ça doit dépendre des timelines des joueurs. Nous, on est dans une timeline où... où il n'y a pas de Flambusard. Je sais pas ce que ça va aller. Bon, j'ai eu un truc. Je crois que je l'ai raté. Pas grave, ils meurent tous. Salut Nigosier et... Est-ce que je vais y arriver? Non. Ça te dégoûte, j'avais 40 points. Ah ouais. Oh purée, crabe. Moi, je veux pas monter tant que le bas, il n'y a pas le premier goal de détruit. Ok, il est bientôt détruit, notre goal. Et en plus, je leur donne de l'exp. Ninja qui regagne tous ses points de vie, ça fait plaisir. Une flamme bizarre. Oh, je l'ai incité à... Méchant. Pourquoi ça va pas attaquer le Flambusard? On se fait tellement dégommer que je me dis que c'est trop triste. Oui. Où est passé notre superbe? Seulement c'est plus facile maintenant qu'il y a... Ah mince, il y a Dreadnought. Du coup, je passe pour... Pourquoi je meurs en même temps que le Crabarak ennemi? Et pourquoi il avait plus de barre de vie et je pouvais plus le viser? Il reste un truc. Mais non, je me suis pris un dommage collatéral, c'est triste. Ouais, j'avoue. C'est triste. Je suis vraiment la seule hérétique à utiliser Rapace plutôt que Vol. Bah, après, chacun son style, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que, je vois beaucoup de Vol. Si j'ai envie de monter, là, j'en ai marre. Ouais, vas-y. Comment ça s'appelle? Vol, c'est quand même super pratique. Ah, mais ok, c'est pour ça que je peux pas viser le Crabarak. Il est dans notre team. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a fait le Crabarak? Il est avec nous. Ah oui. Eh oui. Ou alors ils ont un Crabarak aussi, je sais pas. Mais. Bien, ils sont tous en haut en fait. Bon, je vais venir. Et voilà. Je regardais comment je bouton mâche mon unit move et que j'y arrive pas. Mon cerveau est trop lent. Mon cerveau est trop lent. Je ne suis pas un bot, je fais pas les inputs tout de suite direct. Je ne fais pas les parfaites inputs. Vous savez quoi? Ça mérite un mince, peu de... Mince, du coup, le pauvre machin, il a pas pu marquer. Oh, c'est dommage. Bon, attaque le crabe si tu veux. Oh, un Karchakrok!
Ah ouais, lui, il se bat pas, le Karchakrok. Il fuit en général. Non, t'as plus de vie, toi, par contre. Ça va aller. Non, c'est un Dreadnought, en fait. Ouais. Bon, je vais y aller, mais probablement pour rien. Oh, on a peut-être une chance d'y arriver. Quoique. Bon, déjà, est-ce qu'il se fait attaquer? Oui, il se fait attaquer. Bon, ils sont tous les deux au milieu. Ok, ils y vont tous. Oh oui, tu l'as volé. Quel génie, cette garde-voir, c'est incroyable. Oh, ok. Hop. C'est moche, ça. C'est moche. Pas maintenant. Faut pas mourir maintenant. C'est le moment le plus important du match et moi, je meurs. Et je mets 40 000 années à repop alors que Greninja que j'ai tué juste avant, il a déjà repop. Oui, c'est malheureux. Bon, au lieu de me plaindre, il y a... Ah mince, Zapdos, il va se faire détruire, il va se faire démolir, il va se faire dégommer. J'ai essayé de donner le tout pour le battre, mais je suis morte avant même d'avoir réussi à toucher, je crois. Ce serait trop bien que vous... Mais non, ça dégoûte ça! Comment il a raté ton machin? C'est. Mais vous avez. Ah non, ok. Ce serait trop bien qu'on arrive à marquer. Vas-y, Blastoise, vas-y, Blastoise! Oh non! Regardez-le là, tranquillement. Bon, ça c'est fait. Faut réussir absolument à marquer maintenant. Mais même si je marque mes pauvres 25 points. Ok, ça marche pas. Vas-y, Tortank, tue-le! Oh, c'est quoi ce Greninja qui est invincible? Il se prend pour un Tortank ou quoi? Mais c'est pas vrai! C'est la malchance, ça! C'est trop nul. Ouais, et puis là, j'aurai jamais le temps. Et puis, il repop encore. Ce combat était horrible. C'est nul, les gens qui repopent à la vitesse de l'infini, là. En plus, j'aurais marqué, j'aurais gagné. Ah, j'avoue, on a perdu de peu. Oh là là. Vous, s'il vous plaît, arrêtez de repop plus vite que la lumière, ça serait gentil, merci. T'imagines, il y a un objet pour repop plus vite. Ah oui, dans Splatoon, ça s'appelle 100 ans mort. Et ça sert à rien, n'oublie pas. Oh là là. On stagne, on en est presque non, au même point qu'au début. Non mais le rank expert class gamme, on n'arrive pas à le faire. Oui, on est bloqué dedans. Je vous assure que on essaye, on fait de notre mieux, mais c'est pas suffisant de faire de son mieux. Il nous manque quelque chose. Oh non, c'est nul ça aussi. Ouais, aujourd'hui c'est pas une bonne journée. Oh non, il veut aller dans la jungle. J'ai envie de lui laisser parce que d'un côté je me dis... Greninja, il est trop fort quand il est dans la jungle, si c'est un vrai Greninja. Oh là 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 là. Mais moi, je sais que toutes mes parties où je commence pas dans la jungle, en général, je sers à rien pendant toute la partie. Mais là, t'as fait que jungle et tu servais à rien aussi. Ouais, j'avoue. T'inquiète, je vais jouer Fenard, je vais servir à rien pendant Attends, toute la partie. Tu sais, j'ai l'impression que je suis devenue tellement, comment dire, passive. Tu vois, avant j'étais méga agressive et maintenant je suis méga passive. Il faut que je trouve le juste milieu. Courage, courage. Gengar est beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de Gengar qu'avant. Il s'est fait nerfer ? Ah, bah oui, il s'était fait un peu nerfer, mais. De là à ce que plus personne ne le ouais, joue. Ouais, mais bon, visiblement, c'était le nerf de trop. Ça. Moi, ah ouais, vous avez fait c'est ça, bon. C'est bon. Moi, Gengar je joue plus, je joue plus avec. Je joue plus. Voilà.
Non, ça va. J'ai cru qu'il allait nous manger notre singe. Tout le monde ne passe pas à travers les murs, c'est vrai. J'avoue que tu voulais peut-être foncer. T'aider, mais d'un côté, comme ça. Ouah, t'as tenu! Ouais, grâce au pouvoir de l'évolution! Ah, je l'ai eu! Magnifique! Bon, par contre, voilà. Après, j'ai nourri un Zeraora. Mais. C'était vous, quand même, d'une certaine manière. Il a mis du temps à venir, le grenier du genre. Oh! Ah, dommage. Mm. Par contre, pourquoi je vais dans le siphon? Il vous manque Nymphalie maintenant que j'ai dépensé mes sous. J'espère qu'il va sortir ma mochon pour pouvoir économiser. Ah non, moi c'est bon là, j'ai les sous. C'est bon, je suis prête pour Nymphalie. Du coup. On n'avait pas un Greninja qui nous aidait et finalement non. Bah il est parti dormir dans la jungle. Mmh. Mince, je veux pas attaquer, je veux fuir. T'inquiète pas, moi si j'attaque c'est uniquement dans le but de les ralentir en fait. Ok. Ok, bah lui. Ok, est-ce que tu penses qu'on peut l'attaquer à deux? Moi, je sais que j'y arrive pas, mais peut-être c'est bon. Non. C'est trop fort, mon flex. Ouais, c'est clair. C'est bon, je suis là. Ah, non. Non, moi, je veux pas. Moi, je veux l'XP. Peut-être que ce sera payant et qu'à la fin, il va faire des trucs de fou. Qui sait? Allez, non, c'est toi qui est mort. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais t'es pas vraiment parti attaquer Dreadnought alors que t'as plus de points de vie. Je... C'est une stratégie. On l'a eu? Non, non. Bon. Bah ouais, mais moi je me suis fait... perdu évidemment. Je me suis fait éjecter. Et j'ai pas compris la stratégie de Greninja. Il va retourner dans la jungle, t'inquiète. Il va retourner dans la jungle. Mais oui, mais non, mais c'est pas vrai. C'est comme ça qu'il est niveau 15 après, t'inquiète. Je suis plus fort que lui donc non. Non, il est niveau 9, t'es niveau 8. Ah ouais, il est niveau 8 maintenant. Tu sais quoi, je vais te prendre les crapinces là, comme ça tu vas pas le faire. Va attaquer! Ton travail c'est d'attaquer, pas de. Oui, moi je fais la jungle maintenant. C'est bon, on est plus en début de partie maintenant. Bon, je suis mitigé. Parce qu'il a plus de vie. Et il va attaquer? Non, mais je sais, je comprends pas ce qu'il fait, honnêtement. Là je. Je vous l'avez gagné quand même. Mais non, c'est un ennemi, lui! J'ai baissé ma garde bêtement. Allez, vous prendrez bien un peu de... Je vous donne ma position grâce à mon super talent. Oh, mais oui, du coup, t'es caché et tu dis qu'il y a un... Enfin, tu tues un ennemi et du coup, les gens, ils savent. Oh, c'est terrible.
Dommage parce que je l'ai même pas abattu. Je peux rien faire, je sais pas pourquoi j'ai attaqué. Là c'était idiot. Bon, allez. Est-ce que dans ces moments-là il faut abandonner le bas parce que ça ne sert à rien? On est avec un allié qui. Il farm, mais à un moment donné faut arrêter de farmer, faut se battre. Je ne sais pas. C'est bizarre. Triste, hein, mais c'est triste les pardis comme ça. Je sais pas pourquoi ils font ça. Oh, le gros lag que j'ai eu. Ils ont. Allez, garde-voir. Allez, garde-voir. Oui. Devinez qui est retourné dans la jungle. Mais non, mais c'est pas vrai. Bon, plus sérieusement. Ok, ils sont en train de l'attaquer. Je pense que tu peux les voler avec Grêle. Les serroirs qui arrivent. Mince, ils sont tous sur moi. Oui, c'est bon. Allez. En vrai, est-ce que c'est intéressant d'attaquer Ronflex? Ouais. Ouais, c'est bon, elle va le faire. Bon, il s'est enfui. Moi, j'espère que Nathalie ne sortira pas tout de suite, sinon je vais devoir attendre avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que je veux recevoir Pikachu avant Nathalie. Ah! Et comme ça, il sera dans... Je vois, il sera dans ta liste. Ah, mais on a gagné, très bien. Non, mais je vais pas te prendre, moi, en fait. Ah, mais tu m'aides! Eh oui, je suis sympathique, n'est-ce pas? Allez, tout sur le garde-voir. Ah, dommage, c'est abusé, on leur fait tellement pas de dégâts. Mmh. Oh non, garde-voir voulait marquer ses 50 points, mais il y a un cramoran qui l'a empêché. Ouais, ah non. Je pense pas. Bon, qu'est-ce qu'il fait Venusaur aussi? Bon, en soi, là, il faudrait passer à l'attaque. Ah ouais, d'accord, ok. Ils ont dégommé le lecteur en 2 secondes. Allez, c'est qui pour faire 0 dommage? Moi. On les a tués à 2. Ouais, mais bon, ça sert à quoi? Moi, je trouve que pour... on s'est étonnamment bien défendu. Même si ça ne sert plus à rien, mais... Ouais. Waouh. Bon, ça forme les points. Maintenant, Greninja, j'espère que tu es fier de toi. Qu'est-ce que tu vas nous sortir comme dinguerie? Oh, s'il y arrive, c'est génial. Il y arrive. Oh là là, mais quel BG. Non, mais lui, il est insupportable. Hein. J'en peux plus de lui. Il a rien fait de toute la partie.
C'est trop triste, il a rien fait de toute la partie. Oui, je sais, mais bon, il est content, il a marqué ses points. Oh là 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 là. Mais oui, oui, non, mais ça, c'est typiquement, c'est pour ça que j'aime pas être avec d'autres junglers que moi-même, parce que j'ai pas confiance en eux. À chaque fois, ils passent leur vie dans la jungle, là, et ils sont jamais là de tout le match, ce qui fait que, on n'avance pas, on est 4 contre 5. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que tu veux continuer ou pas? Allez, histoire de revenir au point de départ. On est au point de départ. Toi peut-être, mais moi je crois que j'avais une barre. Non, on était... Ah, tu parles de la barre en dessous. Non, mais en ce moment, les parties classées, c'est nul. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais... C'est que ça. Quelqu'un qui n'est pas prêt. Il a vu que ça faisait des petits écrans comme ça, il a dit « Ouais, j'ai bugué là !» Oh, le jeu il est bugué, moi je Je veux Nymphali healer car j'aime jouer healer, mais j'aime pas Blancoton et Lefaurie. Ah, mais malheureusement, c'est un Nymphali attaquant. n'est pas un support. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit support aussi, mais bon. Ça m'aurait fait changer de style de jeu. Mais c'est ça, j'aimerais bien avoir un support, moi aussi, en second. Parce que si on me vole Absol, ça veut dire qu'il y a un speedster, donc faut pas que je joue un speedster. Parce que sinon, j'aurais bien aimé Zeraora. Ah, le problème, c'est comme je te dis, de toute façon, j'ai bien envie de jouer support, le problème, c'est que j'aurais pas l'équipement pour, quoi. Mais après, si on se fait prendre tous nos mains et qu'on joue tous les deux supports... Je sais pas à quel point c'est bien aussi. Ouais, là où que là, tout à l'heure, là, le fait qu'on s'est fait voler tous les deux nos mains. Re, alors comment ça se passe? Comme depuis une semaine, extrêmement mal. Ah, voilà un Gengar pour vous faire plaisir. Avec Amphinobi. Non mais avec Amphinobi, on a une chance sur deux, tu vois. On peut avoir l'Amphinobi qui dort dans la jungle ou l'Amphinobi qui veut jouer, tu vois. Celui qui est niveau 15 à 2 minutes de match. Non, celui qui est niveau 15 à 2 minutes de match, en général, il a passé sa vie dans la jungle, non? Ouais, mais il a passé sa vie dans la jungle, mais après il va attaquer, puisque oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, il est niveau 15, donc si tu veux qu'il farme après. Oh mince, tout le monde veut aller en bas. Laissez-moi aller en bas, s'il vous plaît. C'est nul en haut. Bah, juste avant, c'est pour ça qu'on veut pas y aller. Philobi, si tu veux aller en haut, ce serait génial. Oui, mais moi aussi, je préfère en bas. Mais après, je peux comprendre Ronflex et Tortank qui veulent pas être en bah même oui, temps. Bien sûr qu'ils veulent pas être ensemble. Bah, tant pis, hein, on est en partie classée, bon, je me sacrifie. Hein. Bah, regarde-le, peut-être qu'il va aller ailleurs. Bon, allez, on va dire que si je suis devant, je vais en haut. Si je suis derrière, je vois ce qu'il fait. Oui. Non. Oui, j'ai dit. Ah oui, non. Eh, hey, mais ils ont que des défendeurs en bas, c'est rigolo. Je vais pouvoir attaquer personne. Mais t'inquiète, il a un eject button, le premier, il va aller dans la jungle. Contre toute attente, tu penses qu'il va aller en haut ou en bas? Bon, je suis ni devant ni derrière, je déteste. Merci. C'est vers le bas. Il semblerait que il va vers le bas pour de vrai. Non, ça va, il a... Oh, il est sympa. J'allais dire, après, bon, voilà, le fait que j'ai commencé en bas, c'était pas un signe du destin, finalement. Oh, trop bien, en plus, je te mets Ludicolo en bas, il va repop super vite. Bon, vous voulez pas ne pas nous voler nos... Oh, j'espère que c'est lui qui l'a mis en fait.
Bon, j'ai vu que Flambino était en bas et Infinobi, à mon avis, il est dans la jungle, il viendra après. Ah, ça y est, Infinobi arrive. Ah ouais, d'accord. Bien joué. J'attaque dans le vide, on sait jamais. Bah oui, il est peut-être toujours là. Oui, je sais. C'est rigolo. C'est pas parce que je ne vois pas que je ne peux pas tenter. Non, mais je comprends, t'inquiète. Hein. C'est juste que c'était rigolo sur le coup. T'inquiète, je sais que je veux retreat moi aussi. Trop, il nous vole nos mobs en plus. J'en ai tué un. Ok, je suis bon. J'en ai fait évoluer un. J'aurais volé un mob. Tellement vite. Non. J'imagine que nos alliés descendront jamais, bien sûr. Bah non. Par contre, les... Oh, c'est trop tard, de toute façon. Non. Bah, on sait jamais. C'est des défendeurs. Ouais, là, oui, ils ont commencé à le faire, mais... Bon, moi, je... Non, mais ça, c'est ça qui est une chose aussi qui est triste, bon, c'est que. Dommage. On a beau dire aux alliés de venir, ils ne viennent pas. Ouais, mais ça, c'est. Vraiment quelque chose qui non, m'embête. Je l'ai pas battu. C'est vraiment quelque chose qui m'embête, ça, dans les jeux. Les gens qui veulent absolument pas. Venir aider, tu vois. Genre. On a quand même une théorie, ce serait que comme ils parlent peut-être pas anglais, ils comprennent pas ce qui est écrit. Mais au bout d'un moment, tu fais plusieurs parties, tu te rends pas compte qu'il y a tout le temps la même, les mêmes habitudes. Pff, allez, je vais mourir. Bon, après, ils diront, on est trop fort, regardez, on gagne en haut. Puisque de toute façon, ils sont tous en bas, les ennemis, donc... Je suis seul encore. Ah, t'arrives à être seul malgré tout. Eh oui. Bon, là, je suis réellement seul et je comprends pas pourquoi encore. Mais pourquoi je suis seul là? Pourquoi Ronflex m'a abandonné? Mais c'est pas possible! Ok, bon, ça attaque le singe. Oh, bah, tant pis pour en bas alors. Ouais, voilà. je crois que. Pas que pour en bas. Hein. Vous êtes en mode en bas c'est nul, c'est ça? Ah, mais j'avais 40 points! Écoute, si tu marques, tu détruis le goal. Ouais, mais c'est sans compter sur le fait que personne n'a envie d'aider, apparemment. Alors, parce que bon... Alors, Ronflex, il a dit on va en bas. Ce qui est logique. Ouais, mais enfin, bon, à la base, c'est lui qui est parti, donc... Donc bon, hein, je veux pas dire, mais bon...
C'est un peu illogique pour le coup là. Tout le monde a switché de lit encore, mais c'est hallucinant ça. Pourquoi ? Bah moi en fait je voulais les empêcher d'aller marquer, je me disais. Mais en fait j'aurais peut-être pas dû. Voilà, je suis morte, j'en paye le prix. Je vais venir en haut puisque tu dis, tu râles, et du coup moi ça me perturbe et je ne sais plus où aller. Mais moi je comprends pas, les ennemis, les amis, un coup ils vont en haut, un coup ils vont en bas, enfin ils savent pas où aller, du coup moi je... Moi-même je ne sais pas où aller, je ne comprends pas ce que les gens font. A priori, j'ai envie d'aller là où c'est le plus important. Puis viens aider, toi aussi, Blastoise. Pourquoi tu veux pas venir? Non, marque pas. Bah désolé d'avoir 36 points et que je croyais que je faisais bien. Puis mon perso qui va absolument attaquer le singe. Le singe. Amphinobi, alors que j'ai désactivé l'auto-attaque, que je ne pointais le stick vers le haut. Enfin, je faisais tout pour comment ça s'appelle? Pour ne pas aller vers lui, mais le jeu il a dit si, va là-bas, c'est mieux. Si ça se trouve. Je suis moins forte parce que je n'utilise plus le menu radial. Ça doit être ça. Il y a un Dreadnought en bas, j'ai envie d'y aller, mais là-haut ça se bat bien, alors je fais quoi? Peter Tank il est parti en bas, évidemment. Non mais je comprends pas, je comprends pas. Vous faites quoi? Je comprends pas. Je viens de t'expliquer ce que je comptais faire. Non, mais pas toi, mais je veux dire, toi tu l'as dit, mais je veux dire, lui, qu'est-ce qu'il faisait en bas? Pourquoi il a décidé de partir en bas? Bon, je peux pas. Ils étaient 4 en bas. J'espère que Tortank qui va pas attaquer Zapdos, parce que moi j'y vais pour gagner du temps, mais pas pour l'attaquer. On a l'avantage? Je sais pas. Je pense pas. Non, mais je veux dire, attaquer Zapdos maintenant alors qu'on est tout seul. Bon là, c'est bon, on était tout seul. Oh. Mince. T'inquiète, je vous fais gagner du temps. Mais non, c'est nul ça, ça me saoule. Oh non. Allez, vas-y. Cours. C'est rigolo de pouvoir poser des petits pièges comme ça. Oh, si tu arrives à le tuer, tu le détruis, le goal. Non, je vais jamais pouvoir rentrer. Par contre... Je vais protéger là. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Okay. Je sais que Ronflex arrête pas de dire qu'il est là-haut, mais moi je veux protéger le goal ici, enfin... Ouais, je comprends. Oh, ils ont l'air de venir là. Donc on va venir là. Là, à la fin, on a tout battu, mais... C'est encore un combat inadmissible. C'est un combat bizarre, encore une fois. C'est un combat bizarre, encore une fois. Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi on gagne? Même ça fait un point d'exclamation ou un drapeau sur la carte, il pourrait se douter de quelque chose. En plus, les défendeurs ont des attaques qui stun l'ennemi, c'est plus pour les classes que je joue ce genre d'attaque. Ah ouais, non, mais moi, les défendeurs, je jamais... Purée, mais j'ai marqué aucun point. J'avais pas envie. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, oui, les défendeurs, c'est une horreur, hein, je les attaque jamais. Mais... J'ai beaucoup de mal à analyser quelles actions font gagner les games dans ce jeu, je ne...
pense pas être la seule ici. Et l'effet de panique se répand super vite et ça crée des chaos. Si c'est chaos, j'imagine. Ah, moi, en tant que personne qui est censée naviguer entre le haut et le bas, je me dis que je veux aller là où il y a le plus de monde pour aider. Mais à un moment donné, il y a trop de monde, alors je suis un peu en mode, mais je peux plus rien faire. Mais j'arrive, je me fais dégommer, donc tout ce que je fais, c'est leur donner de l'exp, finalement. Et du coup, je me dis, je serais tentée d'aller dans la jungle pour gagner du niveau. Mais d'un côté, bah, je me dis, mince, j'aide pas ma team. Bah ouais, donc, tu perds du temps, enfin, surtout quand on est en danger, quoi, du coup. Du coup, je suis mitigée. Je te propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Parce que c'est trop bizarre. À moins que tu voulais en refaire une. Zéro progrès de mon côté, c'était beau. Mais si, t'as gagné un cristal maintenant. Mais je suis sûr que j'étais déjà... Je suis sûr que t'avais pas de cristal. Bon, alors, je vais essayer de faire des roulettes de la triche, parce que honnêtement, j'en peux plus. Hein. J'ai tellement pas de chance. C'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? 10 tickets ! J'en ai juste 10, vous êtes sérieux ? Vous êtes méchant. Ah, mais il y a quête là. Ah oui, j'aime bien parce qu'on peut claim all dans le... Oui, mais pas ici. Mais pas ici. Non, 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 là tu vas un par un. Là tu vas un par un parce que... On n'oublie pas ce super short de bain que j'ai gagné. Parce que tu as battu... Parce que j'ai battu des Dreadnought. Ah, bravo. Moi j'ai battu Araquanid, donc j'ai gagné. Ah, j'ai pas encore battu Avalug une fois encore. Allez, bon. Maintenant les roulettes. Alors, les roulettes de la triche, vous allez me donner un... Oui, bien joué. Je te l'avais dit que t'allais gagner 60 en le weird ticket. Yes, je vais pouvoir devenir une baleine, moi aussi. Allez, mince, mais non, attends, je veux le reste, moi. Allez, Oh, c'est bon. Mais il faut que j'arrête de dire non, c'est pas possible. Allez, un super item en ascenseur. Le Star Woody Pink. Ah, je l'avais pas encore. Ah, c'est cool. Mmh. Attends, je ne fais que gagner des trucs que je n'ai pas. Non, mais si, ça je l'ai. Ça va te le dire après. Ah, ouais, d'accord, hein, vous m'avez fait croire. Quoi. Attends, quoi, je peux encore changer? Après, vous l'avez pas tout fait. Voyons. Ah, super item en chanceur. Bien joué. Alors, ça te dit un petit tour dans le shop? Allez, vas-y, c'est bon. Voilà. Moi je dis. On va pouvoir photoshopper, ça fait plaisir. Ça mérite. Un. Franchement, c'est vrai qu'on mérite alors qu'on ne fait que pas gagner. C'est pas grave, c'est pour qu'il y ait quand même quelque chose de bien. Et voilà. Tout. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai un Absol Fashion. Voilà, c'est bon. J'ai officiellement rejoint le rang des baleines. Voilà, ça c'est fait, bon. Petite ça photo fait commémorative. Allez, photo commémorative, comme tu dis. Très bien, voilà, très bien. Voilà, toi tu as le super Absol. Je vais le mettre tout de suite. Aux cheveux verts. Non, c'est mon super Absol Dandy. Il est trop bien. Dandy ? Mais oui. Il est trop mignon aussi, le skin. Regardez-le. Le skin de, comment il s'appelle ? Edelgoss. Est-ce qu'on le voit quand... Putain, mais Dami avait eu ce costume également. Oui, je l'avais eu. Regardez, il est trop beau ! Regardez, il est trop beau. Ouais, je suis une garde-war bergère, donc... Bon, il n'y a pas eu de progrès d'un point de vue machin. Ouais, non, désolé pour... Mais, bon, je peux sortir de là. Oui, bah, merci. Mais, au moins, il y a eu un petit peu d'amélioration. Il y a eu un peu de plaisir. Non, parce que là, je commençais à désespérer. Hein. Je ne faisais que gagner des objets qui servent à rien, genre des pièces. Et moi, j'étais en mode, arrêtez de donner ça sert à rien, des pièces. Voilà, bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce stream et à bientôt pour la suite. Au revoir tout le monde.